Ladies and gentlemen, je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Vraiment. J'insiste. Je tiens à m'excuser auprès de vous tous, puisque ce soir encore, nous allons faire du... gastronir. Alors, mon raccourci ne marche pas! Mon raccourci ne marche pas. Ladies and gentlemen, bonsoir. Nous allons faire du gastronir encore une fois. C'est le dernier soir de ce jeu pour 2016. Ah, c'est bientôt les fêtes. Ah, t'as vu? T'as vu, j'ai mis mon chapeau. T'as vu? Ah, j'ai mis mon chapeau de Noël. On fait un dernier live Astrolire parce que j'adore ce jeu. Parce que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. Et parce que parce que c'est très bien. Parce qu'on fait pas de civilisation. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas là. Machin, bidule, couffin. Tu connais la suite. Patati patata. Bonsoir à tous. Bonsoir Barbie. Bonsoir Bonnie. Bonsoir Yuri. Bonsoir Nicotine. Bonsoir Outlaw. Bonsoir Panzai. Bonsoir Souplège. Bonsoir Dead Angel. Bonsoir Cartium. Bonsoir Skaz. Bonsoir Labilute. Bonsoir Cheminix. Bonsoir Briars. Bonsoir Miracus. Bonsoir Dr. Snake. Bonsoir. Ouais, ok. Bonsoir Andy Summer, bonsoir Doug, bonsoir Scarolo, bonsoir Nico, bonsoir Tuffer, bonsoir Stormy, bonsoir Mathieu, bonsoir Marianne, bonsoir Kantmat, bonsoir Evil, bonsoir TVQL, bonsoir Eltex, bonsoir Epic, bonsoir Melmantana, bonsoir Baguera, bonsoir Ludo, bonsoir Desperado, bonsoir Dark Pegas, bonsoir Quentin 0129, bonsoir Nomnik, bonsoir Olsana, bonsoir Didier, bonsoir Yoshi, bonsoir Gaming, bonsoir Scriminal, bonsoir Kilpi, Titi. Hop, blogué. J'ai bugué. Bonsoir, Electric Chips. Bonsoir, Méchalmic. Bonsoir, Burn. Bonsoir, Leroux. Bonsoir, Lisa Gamer. Bonsoir, Duke. Bonsoir, Cédoudou. Bonsoir, Doudou. Bonsoir, Quentin 56000. Bonsoir, Matrix. Bonsoir, Savage. Bonsoir, Gravity. Bonsoir, Bull. Bonsoir, Animal. Bonsoir, Aurel. Bonsoir, Léon Afoua. Bonsoir, Petit Maître. Bonsoir, Mickey Centre. Bonsoir, un autre Nico. Bonsoir, La Galette Saucisse. Bonsoir, Liops. Bonsoir, Yoshi Pops. Bonsoir, Sid. Bonsoir, Panda Family. Bonsoir, Randa. Bonsoir Snake, bonsoir Ratavator Man, putain, bonsoir Crestas, bonsoir le Fendrick, bonsoir Speedraid, bonsoir à tous et bonsoir Islamar, soyez le bienvenu, nous relançons la partie, nous sommes donc arrivés sur notre troisième planète après avoir fait la planète terrestre, après avoir fait la planète Toundra, nous sommes sur la planète aride, la planète où ça pue la merde pour nous, parce qu'on va mourir très souvent. Il faut qu'on se construise un mur. Bonsoir Pandachou, je ne t'avais pas vu. Il faut qu'on se construise un mur de protection totale pour assurer notre survie. Attention, on va s'en prendre plein la gueule. Il faut que je me dépêche absolument. Ah non, mais on a un problème. Ah ouais, mais non, on a un gros problème. Attends, est-ce que c'était un bug d'hier? Ah, tu vois, la planète veut pas... Non, alors attendez, on va changer de spot, voir si ça vient du spot. Attendez, on va changer de spot. Parce que... Oh, putain, on a failli s'en prendre une. Parce que le truc, c'est que... Ah, pourquoi est-ce que mes amis Steam sont connectés? Attendez, excusez-moi, normalement, les amis Steam ne sont jamais connectés. Pourquoi je suis connecté? Orling, merci. Non mais oh, c'est déconné. Ah, oh. Nous allons nous prendre un autre spot. Parce que je sais pas si c'est un bug, je sais pas d'où ça vient, Terry Welcome to the family, reviens bien d'abord ton troisième et puis les filles dans le chat. Alors j'ai le bonnet sur le casque et du enfin j'ai le casque sur un bonnet, du coup j'entends rien du tout. Bonsoir Gloubi, Olga, bonsoir, bienvenue. Ok, vas-y. Vas-y, fais péter la voix. Elle est sérieuse là? En fait, c'est une planète où on peut pas construire. La navette ne peut créer qu'une base. Oh! Mais on est in the chiasse! J'ai toujours ce petit bug là, t'as vu? Ah, ok, d'accord. La navette peut créer qu'une seule base. Je vais pas dire que ça contrarie un tout petit chouï nos plans, mais ok, ça contrarie un petit peu nos plans quand même. Merde! Tout le principe de l'habitat. Merde! Alors, l'habitat c'était deux, hein.
C'est quoi, je vais aller chercher l'habitat. On va faire chercher l'habitat, on va chercher l'habitat, on va chercher l'habitat, bouge pas. Regarde, on se fait une petite balise. Regarde. En composite, du coup ça me nique un composite. Ouais, vas-y. On fait une balise, on va prendre ce spot là, il a l'air bien aride, bien dégueulasse. La planète est dispo en plus. Balise. Voilà. On fait une balise, ok. Balise, on est content, voilà. Du coup on va aller chercher l'habitat. On va poser ça là. Bim, voilà. Et on va chercher l'habitat. Voilà, comme ça on fait du transport, vous inquiétez pas, on a une balise. Allez. Je reviens, je vais sur une autre planète. Ne bouge pas, ne t'inquiète pas. Je suis un professionnel, j'ai assez de carbu. Oh, le carbu. Ouais, c'est bon, on a assez. Oui, on a assez de carbu. Allez, on repart. Donc on repart sur... Oh putain, bon on va la rattraper vite, vous inquiétez pas. On va la rattraper vite. On repart sur Toundra ou alors on repart sur Terre. Au choix. On a domestiqué toutes les planètes du monde. Donc de toute façon on peut aller où on veut presque. À part sur celle-là. Alors ce soir j'aimerais bien qu'on arrive à faire... Alors on va moins faire rush comme... Enfin on va moins faire rush. On va dire que on va essayer de récupérer le plus de trucs. Mais on va faire les recherches en priorité. Une fois qu'on a toutes les recherches on essaye de se... Voilà. J'aimerais bien qu'on arrive à faire cette planète-là. Et la planète irradiée ce soir, comme ça, on aura quasi tout fait. Bien après, welcome to Zoufé, bienvenue, reviens, bienvenue, 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 bienvenue. Je suis là, hop là, merci à toi d'être venu, bienvenue, installe-toi. Bon, je démonte, mesdames, messieurs. Bon, je démonte. J'aimerais bien qu'on arrive à faire ça, comme ça. Derrière, on a toutes les recherches, on a tout, et là, on pourra dire qu'on a bien dominé quand même l'après alpha. On attendra qu'il y ait un peu plus de nouveaux contenus qui reviennent pour pouvoir en refaire, et cette fois-ci j'aimerais bien réussir à en faire à plusieurs, peut-être pas à 4, mais je pense que Cacao est chaud, Raze est chaud aussi, donc j'aimerais bien qu'on en fasse à plusieurs, comme ça on testera le gameplay multi la prochaine fois. Il est drogué ce soir, j'ai l'impression qu'il est sous speed. Tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis... oui je prends des... oui j'avoue, je prends du oscillococcinum, tu le vois pas, mais je prends ça, oui c'est vrai, j'avoue. Alors on va attendre. On l'a pas fait celle-là. Ah, c'est l'exotique. Ah, merde, il restera l'exotique. Ouais, bah l'exotique, tant pis. Hein. L'exotique, c'est trop facile. Trop facile, l'exotique, on y va pas. On y va pas. Bonsoir, le faucheur, comment vas-tu? Salut, Sabinix. Question. Est-ce que. Comment as-tu fait pour afficher le chat Twitch sur ton contrôleur Vive? Sabinix, ça m'énerve que tu me poses cette question. Je suis un professionnel. Je suis un professionnel. Ouh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas rien de dire de plus. Quand t'as le talent, la maîtrise et les... voilà, c'est tout, professionnel, je te le dirai sur Discord, t'inquiète. Yo le Godric, yo T-Mex, yo yo Cathy, yo Kedic, yo Falcot, yo Ludo. Je rattrape les bonjours de retard, parce que vous êtes en retard, moi je suis en avance, vous êtes en retard, pas de problème. Le temps que la planète rotationne autour du soleil. Bonsoir la Bilout, on l'a déjà dit, bonsoir Kevas, bonsoir Islamar, on l'a déjà dit, bonsoir Shark. Bonsoir Chavinix, du coup, bonsoir le faucheur encore une fois, bonsoir Fantatax, bonsoir Stix, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Oh, le placement de produit. De quoi pour oscillococcinum? Pff, alors ça, c'est un placement de produit, laboratoire Baron, j'ai envie de te dire, voilà. Hein? J'aurais été Bayer. J'aurais... Voilà, on l'aurait compris. Oh putain, attends, Tundra, go. Mais là, voilà. Non, quand même. On va refuel le bordel quand même. Parce que je pense qu'à un moment donné ça va faire. Et dans l'espace, je pense qu'on est niqué. Hein. Donc on va refuel le bordel. Elle est où ma planète? Oh putain, tu m'as fait peur. Oh bah tiens. Hop, nickel. Hop là, pile poil en face. Pas mal ça. Bonsoir Gardin, comment vas-tu? L'homme est paniqué, quelle arnaque. Sérieux, Kamak. Oh, chacun. Oh, les trois planètes sont alignées. Oh, c'était magnifique. On a eu une image totalement... Dis donc, il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Il y a eu bordel là. J'ai l'impression qu'on perd des FPS, plus on joue, plus on perd des FPS. Ouais, c'est ça, ok. Vas-y, viens avec moi. Non. Oh putain, ça... Non mais... Oh non, me dis pas que t'es settle. Ok, super! Ok, l'habitat, il est... Il est posé, quoi. Il est posé. Deux composites. Ouais bah attends, bouge pas, je vais te trouver ça. Punaise. Ah punaise. Organique. Attends, je vais trade deux. Attends, c'est du composite ça. C'est de la résine. Bah tiens, viens avec moi les résines. Non, c'est du composite que j'ai consommé. Ok, alors attendez, bougez pas.
On va aller... ils sont où mes réserves de richesse là? Voilà. Voilà, ça tu vas là-bas. Voilà. Voilà. Creuse le sol, tu crois? Attends, je vais quand même pré-shoot le fait qu'il va falloir qu'on recrafte un habitat. Oui, bah prends-le le machin. Au lieu de me le montrer, j'ai bien vu qu'il était là moi. C'est moi qui te le désigne depuis tout à l'heure. On déconne. Ouais. Ah, cette planète nous fait laguer comme c'est pas permis. Ok. Alors creuse le sol. Non mais j'ai l'impression qu'il est... c'est increusable ça. Non, il est totalement pas dispo en fait. Non mais c'est pas, on va en creuser un vite, on va en prendre un vite fait, vous inquiétez pas. Attendez, on va en profiter pour refuel la navette. Voilà. Ah merde, je savais pas qu'on pouvait pas faire de... Mais après c'est bien, du coup ça me donnera une navette, tu vois. Ça me donnera une navette, bah une navette quoi. Ok, il y a moyen que tu te mettes au machin? Ah, il est pas plein, excuse-moi. Ok, celui-là est plein. Il était pas plein. Yo Bastos. Yo Kivanam. Yo The Visionner. Ok. Ok, alors déjà... Ouais, j'ai plus de FPS par contre. Ils ont oublié les FPS quelque part là. Vas-y, va là-bas. Là. Voilà, crafte-moi un habitat. Ouais, nickel. La fusette, elle est comment? Et redonne-moi un truc là. Mais pourquoi tu m'as... Ah, tu m'as refilé du titane, genre y en a trop quoi. Parce que du coup, il m'a refilé le truc que je voulais pas. Balise titane. Vas-y, barre-toi le titane. Vas-y, titane, tu te mets là. Et moi, je veux ça. Voilà, merci. Alors, on va y arriver. On va y arriver. La navette. Ok. Vas-y, je la blinde, hein, je la blinde. Je mets la blinde de... Ok. L'habitat. Voilà, vas-y. Hop. Hop. Et voilà, on est reparti. On est reparti, ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. L'éolienne tourne. Ah, l'éolienne tourne. Maintenant qu'on s'est barré, l'éolienne tourne. Hein. Enfin bon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Foifnat, welcome to the family, bienvenue à toi, plus de family, dans le chat. Merci à toi, bienvenue, installe-toi, ovation mesdames, messieurs, bon les émotes. Ah putain, on a loupé le croche. Oh, il va falloir attendre une rotation complète. Oh. Bon bah voilà, bon bah très bien, très bien. Bon, attendons une rotation complète. Tout ça parce qu'on a oublié un truc quoi. Superbe, bonne idée, très très bonne idée. Tu as deux navettes, ça te sert à quoi? Bah non, j'en ai qu'une. Non, j'en ai qu'une navette. J'ai qu'une navette, pourquoi? Non, je n'ai qu'une navette. Je n'ai qu'une navette, Kivas. Yo, Real Grims! Comment vas-tu, Real Grims? C'est quoi la petite planète jaune? C'est la planète irradiante. On essaiera d'y aller en dernier. Et sinon, on se la gardera pour une prochaine histoire. Voilà, on se la gardera pour une prochaine histoire. Mais ça serait bien qu'on arrive à faire et la rouge et la jaune ce soir. Sachant que j'aimerais qu'on se... Pas trop tard. Histoire de dormir un peu. Voilà, je dis ça, j'y arrive. Tu dois visiter la planète exotique, elle est cool. Bah non, mais on était parti sur la planète rouge. L'exotique, on va complètement la bypass. On la fera vraiment la prochaine fois, je pense. Je pense qu'on la fera la prochaine fois. Ce jeu a l'air vraiment cool. Ce jeu est vraiment, vraiment fun. Et même si je pense qu'on arrive à la fin du contenu, au final, on a joué quoi? On a joué 3 fois. Il y a bien 10 heures de contenu, largement. Largeuse. Et c'est que le début. Et c'est ça qui est cool. C'est vraiment ça qui est cool. Morning demain, pas du tout. Pas du tout. Non, t'as deux navettes. T'en as laissé une à la toundra. Ah oui, non. Non. Oui, à la toundra, oui, il y en a une autre parce que j'ai essayé quelque chose et ça n'a pas marché, du coup, voilà. Mais c'était un projet abandonné. Mais voilà,
Elle sert à rien. Elle sert à rien du tout. Et on aura tout fait. Il y a juste... Alors, la prochaine fois... je pense que la prochaine fois... Alors, pas la prochaine fois où on jouera... Enfin, pas la prochaine fois où on jouera cette partie-là. Parce que cette partie-là, je pense qu'on la rejouera plus. Mais la prochaine fois, on rejouera au jeu une fois qu'il y aura du contenu. On fera la planète terrestre et sa lune qui est juste à côté, là. Qu'on n'a pas faite. On a complètement zappé. Enfin, on l'a zappé. Et voilà, on ira faire la lune avant, je pense. Juste histoire de... Et on fera en priorité l'exotique. Comme ça... Tout sera réglé. Et Mac, 10 heures placement de produit. À 10 heures. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je pense que tu as raison. Il te faut le vaisseau spatial, il est énorme. Oui, c'est ça que j'aimerais qu'on débloque ce soir. J'aimerais qu'on... Eh putain, merde, ma planète, son rouge, elle est là. J'ai failli la louper. J'aimerais qu'on débloque le nouveau vaisseau. Plutôt que ce petit machin là. Enfin j'aimerais, voilà, j'aimerais qu'on arrive à avoir tous les blueprints quasi possible. Et au moins ce truc du vaisseau là. Alors attendez, faut qu'on retrouve Je me suis pas trompé hein. Non. Non c'est bon. Oh putain on est là. Et j'aimerais qu'on arrive à... Voilà, qu'on arrive à voir tout ce truc là. Alors là on va direct nickel. Oh j'ai eu peur. Oh, je le voyais pas dans le... Dans le bordel du truc. Je me suis dit, il m'a grugé le machin. Vas-y, on va utiliser les... Oh les salles. Oh putain, on n'est pas du bon côté. Oh, ok. Ok, elles arrivent de par là. Ok, donc là on va faire un mur de protection contre ces boules machin là qui nous défoncent la gueule. Alors, elles arrivent tout le temps ou il y a un moment donné elles vont arrêter? Ah non, elles arrivent tout le temps. Oh putain. Oh putain. Oh putain. En fait, je voulais me planquer et je pensais qu'elles allaient arriver de par là, mais en fait, non. On aurait dû se mettre de l'autre côté, mais bon, tant pis. Vas-y, je vais tenter quelque chose. Il tente une sortie. Alors, ça, c'était de la merde. Ah non, elles arrivent pas tout le temps, ok. Ah mais putain! Oh, alors laisse tomber la base, quoi. Il y en a une qui va me... Ah. C'est vraiment moins pratique que dans... Putain, que dans Planet Coaster, hein, par contre. Allez, vas-y. Attends. Ah, j'ai pas d'organique là. Ok, alors attendez. J'essaye de me protéger vite fait du bordel là. Et une fois qu'on est protégé du bordel, on s'occupe du reste. Mais là, l'organique c'est une planète aride. Donc l'organique, je pense qu'on peut se carrer un ou deux. Au moins ça. Allez, monte. Bon. Et on a l'impression qu'on... Ah, on dirait pas une montagne naturelle, ça? Sans déconner. On appelle ça le mur de Bistouquette. Voilà, c'est un mur... géré. Ouais, alors tu sais ce qu'on va faire, toi? Je te montre. Ah putain, merde, il y en a encore qui... Ah ouais, non, mais là, on a... Voilà, bon, attendez. Oh putain. Il me faut de l'organique, s'il vous plaît! Ah non, mais attends, il est encore là, ça peut arriver de par là aussi. Tu vas voir, mais ça peut arriver de partout, en fait.
Pas sur la planète aride là. Si, si. Ah, si. Ah, si. Ah, si, mon petit monsieur. Voilà. Voilà, putain, on a pas de jus. On a pas de jus. On a pas de jus. J'ai pas d'organique en stock. J'ai rien. J'ai pas de stock. Arrêtez de me parler de choses que je n'ai pas. Hein? Ok, bon, alors. On va essayer quelque chose. Ouh. Ok, ça a pas l'air de... ça. Voilà, ça s'est contrôlé. Ça... putain. Par où tu... ah ouais, là y'a un truc. D'où tu viens? Ah, mais c'est pas vrai! Non mais je vais m'enterrer quoi. En fait je vais m'enterrer, en fait je vais faire ça. En fait on va pas se prendre la tête. En fait on va s'enterrer. Hein, on va vraiment pas se prendre le chou. Attendez, déjà je vais rentrer, je vais me mettre à fond. Oh, 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 j'ai flippé. Ok, on va s'enterrer. Hein. Et puis on mettra les sources d'énergie dehors. Ok, on va faire ça. En plus regarde, c'est la tempête. Ah, c'est la tempête, ah super. Oh non, on va faire un... non, non, bon, on va s'enterrer. On va s'enterrer. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est bien enterré, on mettra un truc qui sort, mais tu vois, genre juste ça qui sort là. Hop. Et puis on mettra des éoliennes tout autour de la base, et puis des panneaux solaires, et puis voilà. Et puis nous on vivra en herbe. Oh, mais c'est bon. Mais j'ai pas assez de jus là, j'ai pas assez d'énergie. Il me faudrait. Attends, c'est pas du. C'est quoi ça? C'est de la ressource ça? Il me faudrait de la. Il faudrait du jus. Il me faudrait du jus. Faire un homme, mais j'ai pas. Non, mais on va déjà s'enterrer. Enfin, si, on va faire un homme. Ouais, on va faire un homme. Non. D'une, il y a la tempête de neige, de sable, avec les caillasses. De deux, il y a les trucs rouges qui piquent. Je dis pas qu'on est pas dans la merde. Ah, puis voilà. Alors, on va. Il s'est trompé de côté. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que. Putain, mais ça vole en plus. Et c'est imprévisible comme machin. Franchement, c'est imprévisible. On peut pas le prévisionner. Hein? Non, mais je vais faire un. Je sais pas, hein, je vais m'enterrer. Hein. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas une crevasse en dessous, par contre. Il me faut du jus là, il me faut du jus en urgence. Genre en urgence, genre maintenant quoi, genre now, tu vois. Attends, mais si je fais des... En fait c'est trop large le bordel, il est trop large en fait. Pour ça je n'arrive pas à faire quelque chose d'artistiquement viable. Donc je vais être obligé d'enterrer un petit peu plus. Bon, on fait un pseudo-dôme. C'est plutôt une cage là, une cage à lapin, mais... attends. Oh là, l'énergie ça me... ah ouais, non mais en même temps j'ai pas de... attends, j'ai pas pris une petite... Ok, je crois que j'avais pris une petite Hein, tu vois de quoi je veux dire? Une petite Il me faudrait une petite machin là. Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte déjà? Alors pas une girouette. Un solaire. Ça me coûte un composite. Ça pue la merde quand même, cette histoire quand même. Ouais. À me coûter le composite de trop. Ah, ça me coûtait le composite de trop cette histoire. Est-ce que je le fais? Ouais, vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon. Pas gagné. Parce que là, on n'a pas de bordel. Ah, il est où? Bah oui. Attends, parce que je vois rien du coup. À cause de ma... on va enlever ça.
Allume, te barre pas mon antenne solaire là. Alors l'antenne solaire c'est bien, mais et voilà, il faut être au soleil. Donc il faut être en dehors du dôme. Voilà. Voilà, là tu vois. La petite patte artistique, là tu la sens. Voilà, on a plus d'énergie, super. Bon, je pense que déjà on est un peu protégé. Elle se fout de ma gueule le soleil, y'a pas de soleil en fait. Ah non, y'a pas de soleil. Mets-toi en hauteur, mais je peux pas, si je sors je me fais claquer la tronche. Attends. Je veux pas mourir moi. Je suis trop jeune. Non mais regardez, on va faire ça. Voilà, je pense que là on est déjà pas mal. Voilà. Voilà, là on est déjà bien. Bon, maintenant on va creuser tout ça. Ah ouais, non mais il n'y a pas assez de jus là. Là il y a un problème de... Il y a un problème de gestion de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut que je fasse une source d'énergie là. On va faire une éolienne. Alors attends. L'éolienne on va la mettre là. On va la mettre là. Ok, j'ai failli refaire la connerie de la dernière fois. Tout va bien. Voilà, n'aie pas peur, je sais ce que je fais. Je suis un professionnel, je sais exactement ce que je fais, d'accord? Je te promets, n'aie pas peur. Regarde. Regarde, si je fais ça, que je fais ça. Que je fais. Ok, je vois rien du tout de ce que je fais. Ok, c'est pas du tout comme ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok, regarde bien, je te montre comment on fait ça. Ah mais comment je fais, moi j'ai pas de... Ah c'est totalement la merde. Et qu'on va aller piquer l'éolienne qui est là-bas. Ah non, ça va nous faire un tour dans l'espace encore. Non, je regarde vite fait. Il y a comme ressources. Attends, on va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas, mais on va peut-être pas mourir bêtement. Hein, si on pouvait éviter, voilà. C'est de l'organique, ça? Non? Pas du tout. Super. Attends, je les bute, hein. Que ça, c'est du composite. De l'énergie. Tu te fous de ma gueule. Les boules suicidaires arrivent là. Je vais m'en prendre une dans la tronche, je suis obligé. Ok, alors attends, on va passer par là. Ah non, c'est du mala... Ok, de la malachite. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors attends, bouge pas, je vais faire un tunnel. Qui va jusqu'à chez moi. De manière totalement transparente. Voilà, en gardant bien sûr... la connaissance du terrain. La maîtrise des astres. Voilà. On va vivre... Pour vivre bien, vivons cachés. Hein. Ça va être notre mojo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ok, là on est sous la base. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là on sort. Oh, on sort presque. Voilà, impeccable. Attendez. Ok, bon alors. J'avais complètement zappé. Un truc, c'est qu'il nous faut... forcément une imprimante. J'avais oublié l'imprimante. Et l'imprimante, ça se fait comment? L'imprimante, ça se fait avec un cuivre. J'ai pas. Putain, chaque fois je me fais baiser. Hein. À chaque fois on trouve jamais le truc nickel. Hein. Donc il nous faut une fonderie qui se fait avec deux composites que nous allons donc consommer.
pour avoir une première fonderie. Hein ? Une fonderie qui va nous apporter très certainement gloire et prospérité. Hop ! Allez, j'essaie de cacher la fonderie. Oh, je le sens pas bien, je le sens pas bien, je le sens pas bien, je le sens pas bien du tout cette planète. Ah, il y a un trou là. Ah, très bien, ça. Attendez. Non. Voilà, j'ai caché la fonderie. Est-ce que je peux avoir un angle? Voilà, nickel. Voilà, nickel. Rival, merci pour tes 1500 bits. Salut mon petit Kamak, comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Pizza devant ton stream. Oh, bonne pizza. Bonne pizza. On peut balancer des GG, s'il vous plaît. Merci à toi. Merci et bonne pizza. Oh, pizza. Ouais, mais y a pas de jus, putain. Oh, putain. On est complètement baisé. Ok, est-ce que ça je peux le mettre là-dessus? Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut du soleil. Est-ce que lui il est capable de so... Ah mais il faut du soleil. Oh là là. Je pense qu'on est dans la merde. Ou alors il me faut de l'organique. Attendez, je vais essayer de faire un sol. Voilà, on va vivre à cette profondeur. Et cette profondeur là, c'est pas mal. Alors attendez, je vais essayer d'équilibrer. Hop. Ok, je peux avoir un sol droit. Droit ça ou pas? Pas du tout. Tu fermes tout, comment tu vas faire pour l'énergie? Bah en fait j'aimerais faire un... Mais là c'est mort, là déjà c'est mort. Attends, quoique... Ouais, non, je peux le faire encore. J'aimerais faire sortir un truc en fait, tu vois. J'aimerais genre faire un trou ici. Non, ça va être possible. Et de ce trou là... Voilà, de ce trou là, faire sortir un truc et faire une espèce de centrale énergétique dehors. Mais là... attends, il est où le soleil là? Hey, welcome to the family, t'es un bienvenue de bon ton 14e mois depuis les pays de cette planète. Merci à toi l'addictateur, bienvenue, installe toi, fais-toi plaisir, ovation mesdames, messieurs. Bon, les émotes, s'il vous plaît. Bon, les émotes. Et ce c'est que ça? C'est de la merde. Il me faudrait de l'organique, mais c'est du putain de désert aride machin là. Y'a pas d'organique, tout est crevé là-dedans. Tout est crevé. Ah, c'est la planète irradiée qui passe à côté là. Énergie, c'est des boules jaunes au sol. Ouais, je sais. Non, mais ça... Ah oui, après, on peut trouver l'énergie comme ça. Mais j'aimerais, dans la mesure du possible, on soit quand même autonome à... de ça. Sinon, je tente une... je tente une percée quelque part. Ouais, mais alors, tu vois, c'est pareil. Au niveau énergétique, là, je suis... Je suis tellement à la masse, quoi. Où est le nord, où est le sud? Ah oui, mais après, on sait pas. Ça, le soleil, peut-être qu'il se lève au nord, là, on sait pas, tu vois. C'est pas la Terre. Ça marche peut-être pas. Fais une girouette avec l'alu que tu as, ça suffira pour le moment. Ouais, mais l'alu, je voulais l'utiliser pour... Ouais, la luge, c'était la luge pour l'éolienne, tu vois, c'est ça le truc, c'est que... Attends, on va essayer de trouver de l'énergie... Attends, je vais essayer de trouver de l'énergie en bas, je suis sûr qu'il y a moyen que je trouve une caverne en bas. Regarde ça.
Regarde ça, regarde ça. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là. On n'est pas loin de quelque chose là. Voilà. C'est du composite ça. Nickel, donc il y a du composite dans le sol. Bon, ça va. Welcome to the family, tac tac, bienvenue à toi, il est bien dans le chat. Pardon, excuse-moi, tac tac. Merci à toi, tac tac, bienvenue, installe-toi au vestiaire, mesdames, messieurs. Bourrez les émotes, s'il vous plaît. Oup, 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 c'est raid, 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 alarme, raid, alarme. Raid. Voilà. On avance tranquillement, on avance tranquillement. Oh l'énergie c'est tellement la galère, on rire et welcome to the family, bienvenue à toi pour ton 8ème mois pour les amis. Ouh. Alors le trailer de Blade Runner, ah mais ouf, j'ai tellement envie de revoir le film du coup. Ah mais attends, mais sans déconner, ça va jusqu'où là? Ah, j'ai tellement pas de jus. J'ai tellement pas de jus. C'est la difficulté. Là, c'est la difficulté, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok, bon, ce côté-là est bloqué. Ah mais en fait, il n'y a pas de soleil en fait. En fait, le soleil n'existe pas. Je vais être obligé de faire la... Je vais être obligé de faire l'éolienne. Est-ce qu'il nous reste du... Oh là, il nous en reste qu'un... Oh. Il nous reste qu'un seul... Une seule résine. Bon, on va être obligé, on va faire le truc, hein, tant pis, on va faire le truc, ok. Une seule résine, on va essayer de la mettre là. Alors attends, je vais la prendre déjà sur moi. Voilà. Ça, on va essayer de le déployer bien par là. Ah, mais c'est pareil, tu vois. Il n'y aura jamais assez de fil là, entre guillemets. Alors, si je mets la girouette... Ah mais elle est pas reliée. Ok, attends, on va changer un truc. On va relier ça à ça. Est-ce que ça les relie tous les deux? Si je fais ça. Ah non, ça me relie au truc, mais ça relie pas le machin à moi. Enfin, ça me relie pas ça. Je suis dans la merde. Je suis officiellement dans la merde. Que ça, c'est de la résine. Et du coup, ça, je peux plus l'avoir. Oh, 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 attends, qu'est-ce que c'est que ça? Du lithium. Oh, super. Attends, je fais vite fait un petit tour rapide du coin. Ok, donc de la merde. Oh là 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 là, y'a rien. Y'a tellement rien. Oh 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 oh. Il dit entrée de caverne, dit énergie. Ah, attendez. Attendez, il y a de l'énergie là. Je vais essayer de la prendre. D'en faire un petit stock. Un stock de 12. Aïe, 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 aïe. Attaque de truc. Rentrez à la maison. Ok, bon, attaque, on s'est fait attaquer. Non, j'ai pas assez pour un bordel d'énergie. Ok, alors attendez. Ah, c'est... En fait, chaque début de planète est tendu, hein. Chaque début de planète est hyper tendu, hein. Bon, ok, je vais quand même tenter le... Je vais quand même tenter le ça.
Même si Ah si, ça va loin quand même. Ok. Et sur ça, Spencer, welcome to the family. Merci à toi, mon petit Spunch, re-bienvenue. Bourrage des mottes, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bourrez les émotes. Bourrez Spunch. La tentative de quelque chose. Ok, il tente quelque chose. Alors là, ok. Donc ça veut dire que là, il me faut du soleil. On est d'accord? Donc ça veut dire que tout ça, ça dégage. On est d'accord? Non, pas d'accord. C'est-à-dire que tout ça... Voilà, tout ça, ça dégage. Le gros caillou, bah il me fonce, voilà, bah, sur ma gueule, c'est pas grave. Allez, bouge, il me faut du soleil là. Ouais, je sais, c'est la grosse tempête, mais j'ai pas le temps. Ok. Ok, vas-y. Oh non, non. Ah, ça reste avec moi. Ouf. Il a l'air de charger le machin, non? Oh là, ça charge tellement pas vite. Ok, bon, c'est pas grave, tant que ça charge, on s'en fout. Est-ce que je peux faire un mur entre nous? Non, je peux pas faire un mur entre nous, c'est pour ça qu'il m'en faudra un autre. Oh là là, je le sens pas bien. Bon là t'es à demi-soleil mais t'as du soleil quand même. Donc là potentiellement il y a une intrusion de bordel. Oh, t'es sérieux là? Il y a une intrusion de bordel rouge qui est possible. Ok. On va faire un truc parce que je sens que le jeu est en train de galérer fortement. Distance d'affichage, on va les baisser. On va les baisser de moitié. Et c'est tout ce que je peux bonifier. Très bien. Ouais. Histoire d'avoir quelques FPS. J'ai l'impression que cette planète est... Et orgiesque. Ok, ça charge. Ok. Donc ça veut dire qu'on aura... Mais pourquoi j'ai fait une fonderie? Pourquoi j'ai fait une fonderie? Pourquoi j'ai fait une fonderie? Pourquoi? C'est pas une fonderie que je voulais! Je vais mettre un peu de lumière là-dedans si on voit rien. Pour le cuir. Parce qu'il faut du cuir pour la plus grande, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il me faut un cuir pour la plus grande. Bah, c'est ça. Sauf que... Et maintenant j'ai un problème. Ouais. Non, c'est mon générateur que j'aimerais récupérer s'il te plaît. Sauf que maintenant j'ai un gros problème. Mais genre un problème... Genre un problème de ouf. C'est que j'ai pas de résine. Et que... Ah, organique? Organique? Ah, un petit peu d'organique. Ah? Non? Oui? Vas-y, barre-toi, toi, de toute façon, t'as déjà eu plein de fois. Ah, ça c'est un petit peu d'organique qui fonctionne, ok. Ah mais, ok. Mets-le bien, s'il te plaît. Y'a rien. Y'a rien dans cette planète. En même temps, c'est aride, hein, on le sait, mais... Mais y'a rien.
Rien du tout. Y'a rien du tout. Ok. Ok. Tant pis, on va faire notre trou. Il nous faut de la résine. On revient avec un gros vaisseau. Mais j'en ai pas de gros vaisseau, c'est ça le truc. J'ai pas de gros vaisseau. J'aimerais avoir un gros vaisseau, putain. On aimerait tous que j'ai un gros vaisseau, mais j'en ai pas. C'est du composite, ça. Il nous faut de la résine. Il nous faut de la résine. Ah. Alors, on va pouvoir discuter, là. Oh putain! Déjà il y a des péteurs. On a un filtre? On a pas de filtre? Putain, rien, rien. On est encore venu avec Bite Gouto. Oh là 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 là. Ok, on va passer par là. On va tenter de les prendre à leur propre piège. Comment ça? Comment ça j'ai plus de... Attends, tu sais quoi? Avant de mourir, je vais mettre l'aluminium là-haut en sécurité. Hein? Je pense que t'es d'accord avec moi. Parce que là... Là, je le sens pas bien. Je le sens vraiment pas bien. Je le sens taquin. Je le sens taquin. Ça te prendra moins de temps d'aller retourner chercher quelques ressources. Ah, il y a moyen quand même. Qu'est-ce qu'il me faudrait? De la résine? Vas-y, on va chercher de la ressource. Vas-y, on va chercher des ressources. Parce que là, le départ est quand même difficile. On va faire un frigo à ressources. Hop là. Vas-y, toi tu te mets là. Toi tu te mets là. La planète est en train de se faire attaquer. Hop. Ah, est-ce que la... Ah, mais là ça décolle pas ça. Ah. Ça décolle ou pas? Oui, ça décolle. On a le stockage. Ok, on va aller chercher quelques ressources parce que... Je nous sens fébrile. Il nous faut de la résine. On va peut-être prendre un cuivre parce qu'il doit y en avoir. Récupérer un stockage sur Toundra. Ah bah... Non, je peux en mettre qu'un sur cette fucking navette. C'est qui ça, exotique? Where is Toundra? Bon, Toundra ou Terre, hein, la première qui tombe. Laisse de stockage ici. Ah, laisser un stockage. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Faire... dis donc, ça me fait mal ça. Ah oui, j'aurais pu faire ça. Clairement. De l'organique. On peut prendre un peu d'organique. Il nous faudrait... Il nous faudrait 3... Il nous faudrait masse trucs en fait. Bon attends, on va voir ce qu'on peut faire. Non mais je vais aller sur Toundra. Ouf, non c'est pareil puisque on aura les deux. Dans un petit jardin. Je sais pas si... Non mais on va aller sur Terrestre. Ça revient au même puisqu'on va faire du... On va faire du transfert via le... Tout échange là. On va aller sur Terrestre. Il nous faut de la résine. Il nous faut... Peut-être un peu d'organique. Il nous faudrait un cuivre pour être tranquille. Bah tiens, à chaque fois on pop... Vas-y, c'est bon. On va loin. Il y a deux packs de 16. Et il nous faudrait... Ah, ça lag aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ok, bonjour. Bonjour la Terre. Oui, c'est nous. Hein, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein? En effet, hein? Ouais, je sais. Vas-y, fais péter. Fais péter l'organique, là. Fais péter l'organique. Allez! Voilà, bim! Hein?
Ah, deux, nickel. Hop, dégagez. Il est où le truc d'échange? Il est là. Putain, je serais limite à... On peut pas piquer une éolienne? Ah, ça se met pas dessus. Ah si! Non? J'ai rêvé? Ouais, non, j'ai rêvé. Ok, on va mettre deux organiques là-dessus. Il nous reste quoi? Oh, j'ai pris l'aluminium avec moi, mais putain, comment perdre deux places quoi? Comment perdre deux places bêtement? Allez, 1, 2, file-moi 4 résines. Non, il m'en faudrait un de plus. Tu es sûr de ne pas avoir les plans du gros, de la grosse navette? Oui, j'en suis sûr et certain. Oui. Ah, mais j'en suis même totalement sûr. 1, 2, 3, 6. Vas-y, go. Oui, oui, j'en suis sûr, j'en suis sûr. J'en suis sûr, j'ai une place, stockage. Bon bah lui il peut rien faire. Eh bah il peut rien faire parce qu'il y a la navette qui vient dessus à chaque fois. Comment ça me préparer ça? Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Du cuivre. Du cuivre, du cuivre, du cuivre, du cuivre, du cuivre, du cuivre, du cuivre. Il faut bien voir ça qui traîne. Quelque part. Résine. Ah bah on avait là tiens. Cuivre. Je prends. Une résine je prends. Aluminium je laisse. Panneau solaire. Ah, je laisse. Donc j'ai une résine sur moi. Ça, ça fait un truc en plus. Putain, on va jamais avoir assez de place pour tout. On va juste prendre la résine en fait, parce que c'est la résine qui nous manque. C'est la résine le nerf de la guerre. T'es bien d'accord? On fait des allers-retours. Hein. Regarde, j'en mets un petit coup de jus là. Voilà. Comme ça, on est tranquille. La grosse navette, tu peux la trouver sur toi. Je l'ai pas trouvé. Je fais deux girouettes. On est plein là. Non, il reste deux places. Deux places fait péter de la résine. Hein. La résine, on va en manquer. Ou du jus. Un organique fait péter un organique et fait péter une résine. Ok. Alors on fait ça comme ça. On se max les chances. Fait péter la résine. Voilà. Prends ton camion. Et on cherche le bon jusqu'à avoir le gros vaisseau. Non, on part à l'exploration. Non, parce que sinon on reste trop longtemps sur Terre et tout ça, puis on fait ça que de la soirée. Non, j'ai envie d'explorer cette nouvelle planète. On le trouvera sur cette nouvelle planète, le bordel là. Et il en reste une place. Et dans mon sac. Voilà. Nickel. Allez go. Pas besoin d'organique. Si si, on va quand même le prendre au cas où. Comme ça on en a, tu vois, je les stocke et puis on s'en fout quoi. Mais là la résine on est bien. La résine on est bien. Fais des recherches. Les sortes d'arbres à côté. Non mais attendez, vous inquiétez pas. No worries. No worries. Ah oh, putain, on va louper. Ah c'est désertique la lune. Oh, c'est sympa ça. Et ça, je sais toujours pas ce que c'est. Ce truc là. Que je ne peux pas voir. On va le trouver. Je pense qu'on va trouver la grosse navette sur le sur celle-là, c'est sûr. J'en suis sûr à certains.
Bon, on se tape une révolution complète de la jaune. Énorme ce jeu, il est génialissime. Et il en est qu'à ses débuts. C'est ça qui est... J'avais oublié comme ce bonnet me faisait mal à la tête. Un truc de dingue. Il est... On y va sur les asiatiques ou pas? Non, pas cette fois-ci. On ira la prochaine fois. Ah, la prochaine fois. On ira sur la prochaine partie. Et le message avant, s'il te plaît. Pose une éolienne sur le toit du dôme. Je recharge une batterie avec. Je décharge la batterie. Ouais, mais j'ai pas de... C'est l'irradié, ça, merde. Ouh, putain. C'est laquelle? En fait, c'est celle-là, on aurait pu y aller tout à l'heure. Putain, j'ai focus sur la jaune, mais c'est la rouge, quoi. Non, on est où? Si, c'est la rouge. Oh, putain, on est sur la rouge, je me suis trompé. Alors, le truc, c'est que l'éolienne, batterie éolienne, j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. J'ai pas de batterie. Enfin, si, j'ai une petite batterie, mais alors, petite batterie, elle va se faire décharger en deux eaux, quoi. C'est pour ça que j'ai pris un peu de, d'organique. Non mais là on va essayer de faire un... On va essayer de faire un truc qui se barre, qui va en dehors de la, du dôme, et dessus on mettra une éolienne. Et après de ce truc là on fera une ramification de éolienne, de panneaux solaires et tutti quanti et bim. Et on se mettra bien. Mais faire des allers-retours à la batterie, je sais pas si ça va être rentable. Je pense pas. Je pense pas que ce soit rentable. Enfin, au début, si, mais pas à chaque fois, quoi. Non. Là, normalement, on a assez pour faire le chemin de le chemin qui sort du dôme et qui, du coup, nous donnera l'énergie à l'intérieur du dôme. Allez, on va voir, de toute façon. Là, je pense que c'est bon, quoi. Je pense quoi du mode cobble? J'ai pas essayé encore, Lester. J'aimerais bien essayer sur la prochaine game. La prochaine game qu'on fera, j'espère qu'on la fera en cop. Du bon le début. Mais j'aimerais bien essayer, j'ai pas essayé encore. Après, je pense qu'il manque encore un petit peu d'opti, hein, niveau, niveau jeu pour que ça soit vraiment... Je pense que ça doit laguer masse en coop. Là, je me demande si le fait d'avoir construit plein de bases sur plusieurs planètes fait pas laguer le jeu, parce que là, on est à 18 FPS constant. C'est un peu relou, mais bon, voilà. T'as encore changé de planète. Ah, mais attends, on retourne sur notre planète, t'inquiète, t'inquiète, on était juste venu faire du supply. C'était juste un petit supply. En gros, tu fous une centrale nucléaire à côté du dôme. Ouais, voilà, c'est ça. Une zone d'énergie, une zone de gestion d'énergie, quoi. Aride, allez go. La game est pas stable, crash multi pour ceux qui join. Ouais, c'est pour ça, voilà. Autant attendre un petit peu de mise à jour et tout ça avant de faire du vrai multi. C'est là ? Pas sûr. Voilà. Oh, le dôme ressemble à rien du tout. Hein. Le dôme, on dirait à quelqu'un posé par terre. Bon, passons. Vas-y, bouge. Hop, oh, putain, par contre, on rentre à l'intérieur. Ça, c'est la grosse classe. Comment t'as fait pour rentrer, toi? Aïe, 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 aïe. Aïe. Comment t'as fait? Il y a un trou? Ah putain, oui, ah bah oui, il y a des trous. Ouais. Ah non, c'est pas le bon bouton. Ah non, c'est pas le bon bouton. Ah. Ah. Oh, le dôme. Le dôme de Valérie Davido, quoi. Moi, oh, c'est conceptual, c'est Altestex. Moi, oh, c'est soupal. On va essayer de faire un. J'avais commencé là avec lui. Regarde. Voilà. On va se faire un vrai dôme bien droit, bien plat. Plus d'énergie. Super. Ok. Ok, so. Où est. Ah, déjà, je vais prendre le bordel. Attends. Ah, viens voir. On va le mettre à l'intérieur. Non, mais viens, viens. Vas-y, mets-toi là. Alors. Ah bah attends, j'ai assez pour moi. Alors on va essayer de sortir. Donc l'idée, ce serait de faire un truc qui sort de là. Ok. Tu vois, genre ça. Bim. Dessus on met ça. Ouais, par contre ce serait possible que tu t'enfonces pas plus que ça dans le sol.
Parce que putain, relou quoi. Mais bah attends. Attends, je vais me prendre un truc dans la tronche là, tu vas voir. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà, de ça. De ça naît notre centrale électrique nucléaire thermodynamique. D'accord. Ok. Du coup, on va en refaire une petite là. Ça, on sera bien. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il définit qu'il se met devant, derrière, de, au-dessus, au-dessous. De toute façon. De ça, on te prend. Ça, on te prend temporairement ça, et voilà, et là, voilà. Donc là, on commence à avoir du jus. Ok. On va... Est-ce qu'on peut fermer? Alors, celui-là est niqué, hein. Celui-là est niqué. Ah, celui-là, il va pas être niqué tant que ça. Attends. Ah. Alors, voilà. Ah, celui-là, on le garde. Voilà. Voilà, nickel. Donc là... Et donc là, c'est l'endroit où on peut rien faire. Et voilà, je me suis bloqué dedans, trop bien. Oh putain, j'ai failli m'en prendre une là, non? Oh, rentre à la maison. Voilà. Ok. Donc... Il est où mon cuivre? Je l'ai pas pris. Et le sac est un peu gros là. Aluminium. Cuivre. Ok, un cuivre. Donc là normalement. Alors ce qu'il faudrait réussir à faire. Oh putain, c'est tellement chiant. Il faudrait faire un passage là. Je m'en prends. J'aimerais ne pas m'en prendre plein la gueule tout le temps, c'est possible ou pas? Ouais, non, mais faire le dôme de l'intérieur, c'est très très mauvaise idée ça. Alors là, tu vois, je peux pas. Allez! Non, non, non. Je veux mettre dessus, moi. C'est possible ou pas de mettre dessus? J'arrive à trouver un angle à peu près potable. Excusez-le, il cafouille, hein. Il cafouille, il le sait, il est en cafouillage, hein. Il est en cafouillage total. Mais il aimerait construire là-dessus. Possible ou pas? Putain, pourquoi je peux pas construire dessus? Allez, non, mais me fais pas ça, s'il te plaît. Please, please, don't. Studebaker is back. Hey, Studebaker. Comment vas-tu, Studebaker? T'as fini déjà? C'est fini les examens, Stud? C'est fini. Ah non, mais là, ça va me niquer des ressources en plus que j'ai pas prévu, là. Dans mon quota de ressources... Bon, alors je ne sais pas du tout comment je peux faire pour me le faire. Est-ce qu'il faut que j'en ai deux? Ah, faut peut-être que j'en ai deux sur moi. Non, prends-le. J'en ai deux. Là. Aïe. Là, est-ce que c'est bon? Ok, voilà, ok, 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 ok. On va dire que celle-ci est complètement périmée. Combien il m'en reste? 2, 3, 4. Ok, il m'en reste pas beaucoup, mais on va dire ok. En même temps, j'ai déjà fait mon truc. Tiens, vas-y, par là, c'est possible de faire par là ou pas? Ah, nique le système. Ah, très bien ça. Et dessus, tu me fais... Voilà, et... Oh, c'est deux cuivres!
J'en ai fait un. J'en ai pas fait un dans ma fonderie hyper perfectionnée. Elle est belle cette base. Attends, elle est pas terminée. Oh, si. Ok. On va s'en sortir. On va s'en petit sortir. Je vous promets qu'on va s'en sortir. Attends, c'est l'imprimante? Oui. C'est l'imprimante qu'on fait. Oui, c'est ça, c'est l'imprimante. Ok. Il faut que je... Ah, attends, j'ai peut-être trouvé un angle assez haut pour tous nous héberger bien. Voilà, cet angle-là a l'air bien. Ok. Vous inquiétez pas, ça va refaire le toit. Oh, pas trop, mon gars, pas trop. Voilà, refais le toit bien. Voilà. On va se domer un toit, je te dis pas. Voilà, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu... On a un peu bas de plafond, hein. Hop. Voilà, on se bloque là. On se bloque ici. Ici. Pas trop. Juste ce qu'il faut pour pas que les machins passent. Normalement, là, ça passe pas. C'est taillé pour briller en rose. Encore un live dans une mine. Mais pas du tout. Oh là là, la Purple Clown. Ce jeu est très bien. Ce jeu est un très bon jeu en devenir. Oui, je pense. Je me régale. Moi aussi, je me régale énormément. Même si, franchement, on... Hein? On coco? On cogite? Ok, nous allons faire... Oh putain. Alors déjà, on va faire un truc, c'est qu'on va récupérer ça. Hein? On va récupérer le générateur. Ok. Et on va se faire un putain de plancher. Parce que je n'ai rien vu. Ok. Allez, plancher. Plancher pour tout le monde. Plancher. Ok, il veut pas me plancher. Plancher. Voilà, plancher s'il te plaît. Voilà. Voilà, un plancher de qualité qui a complètement niqué le toit. Voilà. Reprenons le toit. Il est un toit, je rappelle, type panoramique, aérodynamique, à double tension variable. Ok, agrandissons la base. On agrandit la base. Ah, c'est d'énergie. Oui, bah attends. Non, c'est parce que ça, t'as pas vu encore l'installation de base. Pour ça, tu dis pas assez d'énergie là, comme ça. Et c'est parce que tu sais pas ce qu'on fait. Et t'es en train de... C'est moi où il y a une... Ok, il me faut un angle de mur. Ouais, cet angle là, pas mal. Voilà. On est bien là ou pas? Non, on est bien. Je pense qu'on... Ça y est, on tient quelque chose. On tient quelque chose. On tient quelque chose là, on tient quelque chose. Je pense que ça y est, on l'a. On a notre... On va prendre cet angle là. Possible ou pas? Attends. Ah, c'est un faux truc. Voilà, on tient quelque chose là. Vraiment, on tient quelque chose. Il y a toujours un petit problème de formation. La jointure est difficile à faire, mais une fois qu'elle est faite... Voilà. Ah, franchement, là, on est bon, là. Là, on est très très bon. Là. Ça y est, la base est là. La base est là. Regarde, on a le sol. On a le plafond. On a tout. On a tout pour être heureux. Tout. Voilà. Nickel chrome. Nickel! Yo le papy du stream, comment vas-tu? Nickel! Bonjour Juju. Attends. Nickel! Alors là, ça va être la base parfaite. Alors, on va être à 2 FPS, mais on sera heureux. À 2 FPS, on sera heureux. Ça va être la première fois de notre vie à deux, où qu'on sera heureux à 2 FPS. Regarde, on peut même se faire une petite sortie là si on veut. Non, je déconne. Non, on ferme. Voilà. Nickel, allez. Bim, on met une petite loupiote ici. Et voilà, elle est pas belle la vie. Bon, par contre là on a toujours un truc. Ouais. Ah, attendez.
essayer de taper une belle descente. Voilà. Avec... c'est possible d'enlever ça? Impeccable. Franchement, les Américains vont nous... Les Américains nous envient cette base. Hein. Les Américains nous envient cette base. Donc, nous avons un trou ici, mais c'est pas grave, on va le reboucher très très vite. Avec... avec pas ça. Oh là. Bon, on s'en fout. Alors, on va faire l'éolienne. Et là, normalement, ça y est, on est autonome énergétiquement. Ça nous a pris du temps, peut-être. On y a mis... J'ai niqué l'alu. Attends, j'ai niqué l'alu ou est-ce que je rêvais? Oh putain, j'ai niqué l'alu. Oh putain, il a niqué l'alu. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh le gros con qui a niqué l'alu. Ok, bah on va partir sur un panneau solaire. Oh le gros con qui a niqué l'alu. Oh mais qu'il est débile. Oh mais qu'il est débile. Oh mais il n'y a pas plus débile que toi. J'ai niqué l'alu. Il faut qu'on retrouve de l'alu. L'alu dans le sac. Oui, mais j'en ai qu'un. J'en ai pris un pour faire je sais plus quoi. Et résultat des courses, bim. Résultat des courses, c'était l'alu qui était destiné à l'éolienne. Tu vois, à la centrale nucléaire, thermonucléaire. Ah merde, comment on fait pour. Ah ouais, mais attends. Attends. Comment je fais pour sortir le bordel là? Vas-y, je vais sortir par là. Faut viser le trou. Hein. Hop. Attention. Moi j'ai une sortie. Et par là. Ah, qui est une sortie complètement sécurisée. Contre toute. Non mais le. Oh ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Je rentre. Ouais, je rentre. Okay. La sortie elle est un peu chiante quand même par contre. Ouais, elle est sécurisée mais elle est chiante. Bon, alors on va attendre juste que la tempête passe. La batterie. Ah, la batterie, on peut faire une batterie au lithium. Par contre, ça on peut la faire, ouais. Ça c'est pas con du tout. Un lithium là. Batterie. Voilà, comme ça on a une thermonucléarité assurée. Hop, hop, batterie, merci. Ah, par contre, je sais pas si j'ai assez de slots. Si, je crois que j'en ai un. Ah c'est pareil, la batterie faut la sortir. Attends, bouge pas, je vais la sortir. Ah non, je vais la sortir par la porte parce que j'ai peur que on la perde. Elle est passée la tempête là ou pas? Est-ce qu'il y a de la caillasse qui tombe? Ah c'est bon, elle est passée. Ah les tempêtes vont vite hein, mais il y en a beaucoup. Ok, donc batterie Ah ouais, tu vois, on a... Ah bah si, la batterie je peux la mettre là. Oh nickel. Oh c'est parfait. Parfait, ça on met ça là, tu vois. Bon, le panneau solaire ne marche pas. Et là c'était le slot pour l'éolienne, il nous faut de l'aluminium. Il faut absolument qu'on aille chercher trouver de l'aluminium. C'est notre nouvelle Tiens, je vais récupérer les attends, il y a tempête de machin là. Je vais pas récupérer les trucs, on les laisse, tant pis. On les laisse dehors. On est d'accord qu'on a plus d'aluminium hein. Ouais, on est d'accord. Je vais ranger le mien ici. Un moyen que tu dégages. Voilà. Ça je garde. Ah mais non, il est là l'aluminium, on est les deux. Autant pour moi. Autant pour moi, il s'était mis là. Oh là là. Ouf. Oh j'ai flippé. Hein. Je te jure j'ai flippé. Non mais c'est bon. Autant pour moi, il s'était mis à la mauvaise place. Donc on peut faire la. On peut pas faire, il n'y a plus d'énergie. Mais on va pouvoir faire dans pas longtemps quand l'énergie sera pleine. On va pouvoir faire la. L'éolienne. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va dans ton deuxième slot. Ouais, Islamar, t'as raison. Plug là sur le double derrière l'imprimante. Mais on est derrière l'imprimante là. On est. Bah là, je vais en mettre une autre, je pense. Je vais en mettre une autre. On va peut-être pas attendre que ça recharge. On va aller direct en opération. Opération, tu sais quoi, opération, c'est là, on en a pas besoin. Ah, parce que là, c'est déjà relié par le wifi, je sais pas quoi. Comment ça va? Bon, pour l'instant, on l'utilise pas.
On va tenter de... Ah si 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 si, on utilise, on va faire un filtre. Parce que y a les épées foireux là qui vont nous attaquer. Attends, attends. On les connaît les machins. Ah hein. Ah c'est de la ressource, c'est de l'organique, tu te fous de ma gueule. Oh non, j'ai eu peur, c'est du composite. Pourquoi j'ai encore un aluminium sur moi? Attends, je vois pas mon sac là. Fais-moi un filtre. Ah, il m'a gardé l'aluminium sur moi. Ah bah oui, attends. Ne pas descendre avec l'aluminium. Non, non, ne pas descendre avec l'aluminium. Ça serait le... Bah ça serait le piège à con, hein. Soyons bien clairs. Alors ce qu'on va faire, déjà. Bien, je te montre ce qu'on fait, déjà. Voilà, on se fait une petite pente. Voilà, histoire de pas se mettre dans la pression. D'être toujours respectueux de ses... Voilà. Et là, ça. Voilà. Comme ça on est bien, on a une descente relativement. Elle va se foutre de ma gueule longtemps, je pense, la descente ou pas. Voilà, s'il te plaît. Alors attendez, est-ce qu'il y a assez d'énergie dans l'imprimante? Ah putain. Voilà, on va stocker l'aluminium là. Ah bah on va stocker l'aluminium dans l'imprimante. Voilà. Voilà, comme ça il n'y a pas d'embrouille. On le perdra pas. J'aimerais que ça améliore en terraformation. Ah bah attends, quand même, au bout d'un moment on gère. On s'en va le garder, ça nous fait une petite réserve de composite si on en a besoin. Tu sens les FPS en moins là? Oh. Ok, alors, c'est là que le bas blesse. Non, c'est là que il va falloir être... Ok, alors attends, on va essayer quelque chose. Ah oui, j'ai plus d'énergie, bah oui. Hey, mon gars, à un moment donné, faut mettre des... Hein, faut mettre des bordels. Ok, attaque de P-foireux. P-foireux numéro 1, P-foireux numéro 2 qui m'attaque. Et on avance tranquille. Sans aucune pression. Et on s'énerve pas. Voilà. On va les déglinguer. Allez les P-foireux, on dégage. On dégage. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais je vous dégage. Ah. Attends, dégage toi. Oh putain, il y a une tentative d'explosion là. Et dégage toi. Ah putain, il est collé au sol. Voilà, bim, à dégager. Ok. Numéro 1, numéro 2 sont morts. Ah, ils ont lâché encore deux. Voilà, toi tu dégages. Voilà. Allez, dégage. Ah oh, je le prends corps à corps. Ok. Ah, oh, je passe dans le fruit. C'est bon. Voilà, c'est qui le patron? C'est Bibi. C'est Bibi le patron des épées foireux, bien entendu. On s'en l'a déjà eu par contre. Ok, on a une sortie qui est totalement sécurisée. On se casse. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Par contre, non, tu te fous de ma gueule. Attends, je récupère un... Oh, il y a quelque chose là. On n'a pas eu ça. Non, ça, monsieur, dame, on n'a jamais eu. Hop, on va la poser là-bas. Ok, il y a deux P foireux au bout. Trois P foireux, on va se les faire. Il nous reste du filtre. Ouais. Alors, je me mets une petite ligne de sécurité. Allez, je les attaque à distance au snipe. Bim, un de moins. Headshot. Yo Tony. Deuxième. Hop. Deuxième de moins. Troisième. Oh là là. Pff. On a défoncé. Ok, par contre. Tout ça on a déjà. J'ai plus de cordelettes. On va ramener le machin qu'on a pas. Attends, j'espère vraiment que c'est le vaisseau quoi. On va le ramener.
Je crois qu'on l'a pas celui-là. Bah, c'est même sûr, on l'a pas. Bonsoir Magic, je t'avais pas vu. Comment vas-tu Magic? On va se le ramener là-haut. Tranquillement. Vas-y, bouge. Ah, regardez-moi ça, mais ça c'est... Ah, mais pff, je vous le dis. À un moment donné... Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah oui, parce qu'on n'est pas au même niveau. Bah attends, bouge pas, on va équilibrer ce niveau. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Alors là, faudrait pas qu'on le perde, ça. Tiens, passe du côté des bordels, là. Attendez, je vais juste équilibrer, histoire d'avoir une... Voilà, petite, on se fait une petite marche. On se rend comme ça. Je crois même que c'est le truc de recherche, ça peut te donner deux crafts différents. Oh, ce serait stylé. Ok, allez, home sweet home. Hello ladies, I'm back. I'm back to business. Est-ce que ma recherche... Pas ma recherche, mais ma... Ah, ça y est, on peut faire l'éolienne. Voilà. C'est l'éolienne, hein. Voilà, comme ça on aura énergie limitée. Par contre maintenant on a toujours un petit problème, c'est au niveau de la résine. La résine n'est pas du tout une ressource qui a l'air de s'être produite de manière... Donc il nous reste deux résines, un peu dommage. Il va nous en manquer. Vas-y, pose le truc là-bas, on s'en fout. Il nous reste que deux résines. Donc on va essayer de réutiliser le truc. Bon, tant pis, là on voulait mettre une... Là on voulait mettre une... je sais plus quoi. Alors je récupère ça. On met ça à la place. Ça peut pas se mettre là? Non. Pff, ça va s'envoler ça. Vas-y, on va le remettre... Bon, j'ai pas envie de le perdre parce qu'on sait jamais. Non, on va le mettre là, ça fera une ressource en plus. Et la girouette, on peut la mettre quelque part ou pas? On peut la mettre là. Bon. On s'en reste. Ok. Mets ta batterie à l'intérieur. Bah, pff, ça change rien. Non, parce qu'à l'intérieur, du coup, je voudrais réussir à construire dessus. Je voudrais débloquer le slot en fait. Je voudrais vraiment réussir à ici débloquer le slot. Ah mais je peux pas parce que derrière j'ai un... Ah oui, parce que c'est pas un embout en fait. Ah, c'est pas un embout, c'est pour ça que je peux pas débloquer le slot. C'est la merde. Aïe, oh putain, ça fait mal aussi. Ah c'est la merde, sans résine c'est la merde. Toujours sur Astronia. Oui, si, mais c'est le dernier soir. Elle est où là? Eh, franchement, est-ce que tu crois que je vais réussir à mettre quelque chose ici? Non. C'est trop bas, ça fera rien. Regarde, on a une éolienne là, on a un truc. Non, mais c'est bon, on va rester comme ça. Franchement, on va rester comme ça. Franchement, ouais. Essaye de plug la résine à la main sur le slot. Non, non, mais en fait, je peux pas parce que je pense qu'une fois que t'as créé un autre chaînon derrière. Ça devient un chaînon de lien, c'est plus possible d'avoir un chaînon. C'est un chaînon de fin de production comme ça, tu vois. Donc non, je suis baisé. Je suis baisé. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller faire un tour sur une autre planète, faire la recherche pour voir ce que c'est. Et revenir ici avec de la résine. Par contre, la résine que je viens de poser, elle est partie dans le. Ok, bon, on a perdu une résine, super. Ou alors, non, attendez, avant de faire un aller-retour qui nous coûterait peut-être encore du temps, finir le composite qui est là. Ou du moins... Putain, mais il y en a tellement masse là. Ok. Oh, attends. Ah, non, 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 non.
Générateur, balise, girouette, solaire, batterie. Rallonge. Refaire des rallonges. Qu'est-ce que c'est ce truc là? De l'énergie à dégager. Pour l'instant, à dégager. Pour l'instant, j'ai bien dit à dégager. Tu peux pas créer une passerelle? T'as des rallonges après. Et voilà, c'est ça. C'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais ouais. Okay. Tu sais quoi? On va faire un truc parce que ça, je pense que je vais mourir à un moment donné. Voilà, je propose qu'on nous fermions cette zone et que nous utilisions uniquement cette zone-là. D'ailleurs, on peut peut-être récupérer la rallonge qui va au bout ou la déplacer. Hein. Déplacer celle-là. Voilà. Déplacer celle-là. Voilà. On gagne quelques mètres. Ok. Et repartir par là, voir ce qu'il y a. Parce qu'il nous faut de la ressource, quoi. C'est nul. Il est nul ton sol. Ah, faut qu'on trouve là, faut qu'on trouve quelque chose là. Cuivre ou de l'aluminium. Ah, il y a encore des proutes là-bas. Oh là 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 là, yo pile poule. Minerai de cuivre, est-ce qu'on prend? On va le laisser pour l'instant. Non, je vais sniper les proutes. Il m'a tiré dessus. Hop, la parade. Elle était immortelle toi ou quoi? Ah, dégagé. Oh, pourquoi t'es noir le fil? Ah merde! On a un lien qui se fait plus. Chef. Reviens par là. Ouais, la rallonge, je sais pas pourquoi, elle a eu un moment de je marche mais je ne marche plus. Non mais c'est aberrant cette... Oui, c'est Nico. Papa, c'est complètement ouf. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un truc qui explose ça. Attends, là il y a un truc. Il y a rien. Attends, je vais récupérer. Je vis en flux tendu, hein. Je suis désolé, mais... Oui, on a vu. C'est une rallonge, c'est à toi. C'est toi qui l'as posée, tu te rappelles? Dès que j'ai récupéré les rallonges et qu'elles sont buggées, je les ai plus. Ok, on part en mode aventurier. Ah putain, là y'en a. Ok, ah, attendez. C'en est ça ou c'est du carbu? Ah putain, le plafond, putain, je regarde jamais le plafond.
C'est quoi ça? C'est du carbu, non? Alors je vais regarder de là. Ouais, ça c'est du carbu, non? Non, c'est du... Oh, c'est du lithium. De la territe. Oh. Ok, attends, bouge pas. Oxerac. New face. Ça c'est du carbu. Alors attends, notre trou est là. Il faudrait qu'on prenne sur la droite en montant un peu. Ok, on va faire ça. Tu sais quoi, je vais laisser... Ah non, je vais les laisser parce que je pense que je vais les perdre. Alors on a dit quoi? Il faudrait qu'on monte un tout petit chouï là. Faire ça. Mais ça c'est la latérite, mais j'en veux pas en fait. En fait je voudrais les trucs à côté. Mais se fout de ma gueule le truc d'à côté. Le truc d'à côté se fout de ma gueule. On la refait. Peut-être plus par là. Oh là 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 là, Xerakri, welcome to the family. Reviens bientôt pour ton 8ème mois. Il est béni, il est béni, il est béni. C'est toi mon petit Xerac. Oh, si on, mesdames, messieurs. Bon, les amis, s'il vous plaît. Bon, les amis, pour Xerac. Le dangereux psychopathe. Je suis un peu bloqué là. On a juste pas choisi la bonne caverne. Again. Ah, c'est là. Ok, il est là le bordel. Alors attends. Ça faudrait reculer. Ah putain, l'explosion qui m'a pété la gueule. Ah mais non, mais ça c'est du carbu ça. Ah, j'en veux pas du carbu. Je pense qu'il va falloir qu'on retourne sur une planète, faire la recherche et ramener de la... regarde la file qui prend le milieu de la grotte, il y a peut-être une techno. Non mais là de toute façon le truc c'est que là en fait je cherche pas vraiment la techno, je cherche vraiment de quoi faire un truc de recherche. Parce que s'il faut qu'à chaque fois que je trouve une techno, je retourne sur une autre planète pour la rechercher, ça va être trop lourd. Mais je vais le faire. Là, je vais le faire pour celle-là. Mais je vais ramener, la panacée de bordel avec mon stockage. Ou je laisse le stockage ici. Vas-y, je vais laisser le stockage ici. Et je vais faire le truc de la dernière fois qu'on avait dit. Je vais laisser le stockage ici, repartir avec un truc. On va voir Girouette. On reste là, il n'y reviendra pas grand chose. Let's go. On va chercher... Oh putain mais... Mais qu'il est con, il a pas pris la recherche. Oh putain, oh le débile. Oh le débile, oh le débile. Oh le débile. Oh le débile. Excusez-le. Excusez-le, il est débile. Il a complètement zappé le machin. Oh là 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 là.
Il s'excuse. C'est la fatigue. Ça, c'est la fatigue. Cherchez pas. Cherchez pas, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Non, mais c'était pour vous montrer la planète en orbite. Donc la planète en orbite est rouge avec des petites tachettes vertes et quelques tracés jaunes afin de délimiter les collines et les collinettes et collines. Mais qui les con hein. Alors là du coup il a niqué du carbu là. Là il a niqué du carbu, il en a niqué pas mal. Welcome to the family, bienvenue. Merci à toi. Oh Vops. Bienvenue. OVO BS. Je ne sais pas comment on prononce. Prononciation. Ah oh, putain. Et par contre, j'ai un. Nice. J'ai un surplus de. En plus, t'as vu. Alors, j'ai un surplus de perte de FPS. En plus, t'as vu, j'étais chargé comme pas deux. Ça reste là. Ok. Générateur, on va le garder. Ok. On va prendre cette truc. Ah, j'espère qu'on l'a pas trouvé ça. Ça me dit rien. Hein. Franchement, ça me dit rien. Mais j'ai quand même un petit. Plus je la vois, plus j'ai un doute. C'est bon, elle est sur le bordel ou pas? Ouais, allez, go. Non, mais j'ai niqué du carbu, mais heureusement qu'on en avait trouvé. Non, mais c'est bon, on en a assez là. On est mi-carbu. Mi-réservoir. Je pense que ça passe. Va pas falloir tergiverser 10 ans. On va pas se tromper aussi, on prend la première planète dispo. Hein. Donc aucune. Ok, classique. Classique quand on sort en orbite, aucune planète est dispo. À quand une excuse crédible ou une émoticône? Une émoticône excuse à la con? Comment ça? Je ne vois pas pourquoi tu veux ça. Pourquoi tu veux ça? Une excuse? Une émote excuse? Comment tu émoticônes une excuse? J'ai du mal à visualiser là comme ça, j'avouerai. Ça va être la planète Terre, la première, enfin la terrestre. Ah, ça va être intéressant. As-tu vu la roadmap des ajouts prévus sur le jeu? Oui. Et elle est plutôt sexy. Elle est plutôt sexy. Je pense que, ouais. On va faire comme Subnautica en fait. Je pense qu'on va faire exactement pareil que Subnautica sur ce jeu là. C'est-à-dire qu'on va laisser le temps au jeu de se développer, de rajouter du contenu, etc. etc. On n'ira pas à chaque mise à jour, mais on ira quand il y aura, on va dire, assez de nouveautés pour nous occuper sur plusieurs lives. Et on fera plusieurs lives comme on le fait avec Subnautica. Parce que je pense que c'est le même délire du jeu. Et à chaque fois on reprendra à zéro. Comme ça on repart à zéro s'il y a des ajouts au début de. Parce qu'il y a peut-être des ajouts qui vont se faire pour le début de game. Des ajouts qui vont se faire pour le endgame, etc. etc. Donc voilà. Franchement, c'est totalement sexy. La musique de Fail est géniale. Merci de m'avoir fait découvrir ce groupe. Laquelle? C'est pas mal. Yo Vif! Tu fais un panneau en bois bidon avec marqué bidon. Non, je fais un petit personnage avec. Voilà, juste marqué pardon. Ou excuse. Et mode pipo. Et mode pipo, c'est pas mal ça. Les modes pipo peut-être faites. Les modes pipo ça passerait. Les modes pipo ça passerait large. Allez, on prie. Franchement, on prie du cul pour que ça soit un putain de truc de ouf. Hein. Allez, do it. Allez. J'en l'avais pas. On est niqué. Alors je vais te dire pourquoi on est niqué. Enfin non, on n'est pas si niqué que ça, mais un peu, on est un peu niqué en fait. Parce que du coup on peut pas le faire ici. Attends, on peut pas le faire ici. Non, on peut pas le faire ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va rester un petit peu là, 2 secondes, le temps de faire ce truc là. Alors on va traficoter quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on va traficoter quelque chose. Alors attendez. Hop, on va être obligé de faire une deuxième plateforme de bordel. Hop. Ouais non, je la veux pas là, attends. Ouais, par là. On va être obligé de faire une deuxième plateforme. Parce que
Parce que la navette atterrit, à l'endroit de la première. Donc voilà. Donc on est niqué. Vas-y, je veux une résine. Non, je veux deux résines. Ah, tu m'en donnes deux là. Ah, donne-moi deux résines. J'ai pas envie d'aller chercher. Je préfère. Je préfère que ça soit dans l'espace. Yo, Bayezo, ça va et toi? Pousse ton vaisseau avec le camion. Ça marche, hein? Bon putain, ça sent l'échec. Hein. Ça sent l'échec violent. Il m'a dit fuck. Il m'a dit fuck, tu dégages. Non mais on va faire une deuxième plateforme, ça nous durera moins longtemps de faire une deuxième plateforme, regarde. Regarde. Cette base est stylée. Tu prends ça? Non? Tu prends ça? Voilà. Du coup, dernier live mercredi. Oui, dernier live mercredi. On reprendra après la période de fête. Ah putain. Il en faut combien? Bah deux, bien sûr, bien entendu. Bien entendu qu'il en faut deux, Xerac. Merci pour tes 100 bits, Xerac. Veux-tu que je t'apporte... Non, c'est bon. Oh putain, Xerac. Xerac, il fait flipper. C'est la térite, hein. C'est la térite. Ouais, c'est la térite. Ouais, alors fais-moi du truc, on sait jamais. No real. Oui, donc voilà, donc dernier live de la semaine mercredi, et on reprendra le 30. Le 30, parce que je suis pas là pendant une semaine. C'est ça. Je fais le stock, comme ça on est tranquille. Hop. Allez, je t'aide, c'est une photo de moi. Non, je te jure. Franchement, je te jure, non. J'ai plus de 4 photos. Là. J'ai plus de 4 photos, c'est plus possible. Ah bah putain, on avait du... Bon, on en avait un d'aluminium que j'avais pas vu, tu vois. Ok, on fait la deuxième plateforme. Et sur cette deuxième plateforme, elle est là. Et sur cette deuxième plateforme va naître. Alors on ne sait pas combien ça coûte, mais notre premier vaisseau spatial et pas petite soucoupe de rien. Montre-moi où je suis, où tu es en train de manger des churros. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors attendez, rover, camion, navette, vaisseau spatial. Putain, la taille du truc. Ok, alors attends. Donc il me faut du cuivre. Il m'en faut 4. Merci. Continuons, on enchaîne. Mercredi, je live sur quoi? Je ne sais pas encore. Demain, on va essayer de faire un truc avec toute la F-Team. Je sais pas si... Demain, on va essayer de refaire un D-Sit, très certainement, et un autre. Et mercredi, je sais pas. La musique, on dirait quand même celle des keynotes d'Apple. Ah, Studebaker is back. T'as débloqué la grue? La grue? Non. Le Troy, oui. La grue, non. Il va faire nuit, ça va. On va faire du stockage aussi. Je sais pas combien il faut de... Ah merde! Putain, je me suis encore fait niquer. Hein. Ouais, ça va. Bon, je m'en suis fait niquer. Hein.
J'ai encore fait niquer parce que j'avais pas mis le truc à stockage. Vas-y. De là. De là. Do it. Le treuil, c'est quoi? Le treuil, c'est... Bah, je sais pas, on a pas pu l'utiliser puisqu'on a jamais rien trouvé à treuiller. Oh putain! Ah ouais! Ah ouais, c'est pas le même gabarit, hein. Oh la vache! Ah ouais! Donc en fait, tu peux pas faire dessus. Ah non, c'est juste parce que t'as plus d'énergie. Ok. Stockage. 3 places. 1 place. Bah, on va faire stockage, mon gars. Stockage, c'est quoi? Du composite. Ok, pas de problème. Composite. On va être obligé. Esquive pas mon beat sous. Je viens vraiment au nouvel an. Mais j'esquive pas. Mais j'esquive pas. Yo Morpheus. J'esquive pas. J'aime pas les churros. Oh putain. T'es le pire. T'es le pire. Qu'est-ce que tu peux te dire? T'es le pire. Je peux pas prendre ça. Non. Est-ce que c'est les cailloux? Est-ce que c'est les trucs qui vont faire mal? Oh, putain, je pense que ça va faire mal. Ouais, ouais, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. On va se prendre des caillasses. On va se prendre des caillasses. Tu as assez maintenant? Pas du tout. Non? Non, oui. J'avais dit qu'on allait se prendre des caillasses. Je propose pour que ça arrête sur mon dos, absolument pas. Le vaisseau risque pas d'atterrir sur le dos. Ouais, je pense qu'il va s'atterrir. Non, je pense qu'il va atterrir bien. Je pense qu'il va atterrir bien. Il va falloir qu'on fasse des stockages. En plus. Allez, vas-y. Moi je vais savoir. Bah si tu veux savoir, écoute, partez en privé tous les deux, hein, voilà. Il va t'expliquer, t'inquiète pas. On peut fabriquer le cuivre et la lune, oui. Là je le trafique parce que voilà, mais tu peux le crafter, le récolter et le crafter avec la compagnie. À base de latérine et malachite. Comment on prononce. Ok. La tempête est passée. Le stockage est fait. Il nous faut un petit stockage. On pourrait mettre deux stockages. Mais non, mais si je mets deux stockages, je... Bah tiens, on va faire un 3 places. Hein. Non, on va faire un... C'est pas la peine. Tu aimes la tartiflette? J'adore la tartiflette. J'adore ça. Est-ce que je fais un 3 places pour le style? Parce qu'on a pas besoin d'énergie dessus. On a pas besoin d'énergie, je vais faire un 3 places. Combien ça coûte un 3 places? 4 cuivres. 4 cuivres, mais tranquille les 4 cuivres, tranquille. Non mais on n'a pas besoin de plus en fait, donc c'est pour ça que je dis on va faire un 3 places. La lue, je vais le prendre sur moi. Faut qu'on remplisse le réservoir aussi. Allez, 4 cuivres, on est à combien là? 2. Je vais te faire une tartiflette à la Xerac, tu vas apprécier 31 décembre bientôt. Oh putain. Non mais Xerac, tu sais que le 31 décembre c'est un samedi et le samedi c'est ma soirée, la soirée avec Madame Kamak, donc ça va pas être possible, tu te doutes bien. C'est pas possible. Allez 4, go. Je vais profiter qu'il fasse jour. Un carton rouge pour la fin d'année. Non, je n'en donne plus des cartons rouges, c'est fini. Pourquoi te remplacer si tu es seul? Pour le style. Juste pour le style. Vraiment, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de mettre autre chose. Quoique si, je pourrais mettre un stockage de plus quand même. Je pourrais mettre un stockage de plus. Oh, on va mettre tellement de stockage. On s'en bat le steak. Pour le style. Pour le style. Ah, quoique je mettrais bien un stockage de plus quand même. Si on pousse un peu, il y a de la place pour moi, c'est sûr. Absolument pas.
Non mais ouais, je vais faire ça. Et on creuse un peu plus profond, on traverse. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais fait le test. Non mais on va faire une place et mettre un stockage en plus. Ça serait quand même con de perdre de la place pour une connerie qu'on n'utilisera pas. Donc ça nous fera un stockage de plus. Du coup j'ai fait 4 cuves, 3 cuves, 4 cuves pour rien. Hop, fait en passant. Donc ça fait 3... Une place. Ah putain, du coup c'est du composite. Eh merde. Combien il en faut? 2. Oh putain. Alors attends, je vais regarder à côté. Combien ça coûte le stockage? Le stockage, ça coûte en composite. Le stockage, ça coûte en composite. On va dire, on voyait tellement plus de composite que ça. Non, c'est pas grave. Pense à remplir le réservoir. Oui, aussi. Il va falloir remplir le réservoir vite. Et bien. Combien on a de composite là? 8, c'est le max. Allez go, fais-moi du composite. Hop, on continue. On va aller faire la... on va aller faire le siège. Le siège enfant. Voilà. Ah, tu peux mettre un siège et une place de l'imprimante pour un double méga stockage et piloter depuis là-dessus. Non, c'est bon. Déjà qu'on va piloter depuis le côté, ça va être un peu compliqué. Je ne peux pas venir qu'elle va venir dans un mois. Non plus. Non plus. Non plus. Non, non. Non, ça, non, non. Je te confirme que non. Y'a moyen que t'arrêtes de faire des allers-retours entre le truc et moi? Ou pas? Merci. Alors. On a dit 1, 2, 3, 4 stockages. 1 stockage. 4 stockages. Accroche le camion à ta navette. Non, tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible? Ouais, putain, tu crois que c'est possible? Qui dans le chat veut que je kidnappe Kamak juste une nuit? Si tu me kidnappes, y'a pas de live. Hein. Ah ah! Ah tiens, ça va être lui. Ah, tu crois que je peux l'attacher? Ah, mais si je peux l'attacher, je prends pas celui-là. Hein. Je vais chercher l'autre. Hein. Attends, je teste avec celui-là, mais. Franchement, si je peux l'attacher, je prends pas celui-là. Non, attends, il y a l'autre côté le machin. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une bistouquette. Ah, elle veut pas. Ah, c'est pas une bistouquette. Putain, ce serait stylé, hein. Ah putain, elle bouge, quoi. Non, mais c'est pas possible. On fera un live en privé, mon chéri. Non. Non plus, non plus. Je n'adhère pas du tout. Y'a plus de soleil. Ah ouais, elle est chiante, cette planète. C'est des motos qui terrorisent les Anglais en direct. Ouais, bah parce que c'est de la merde en fait. Parce que je pense que c'est surtout de la grosse merde. D'accord, live Pokémon Go. Il y a des nouvelles mises à jour de Pokémon Go qui sortent là. J'ai pas de... Ah si, attends. Beaucoup de lumière et plein de caméras. Oh, présomptueux, petit présomptueux. Est-ce que j'ai de la place? Oui. Pas que ça à foutre, moi. Allez, j'ai pas que ça à foutre. Thank you.
Non mais oh. Yo Bagou. Bagou lui depuis le... Depuis le... Putain, depuis le Québec, Bagou, quoi. Comment vas-tu, Bagou? Pas trop froid, Bagou? Moins 20, moins 30, moins 40, moins 200. Attends, faut que je continue à faire le jus là-bas. Présente. Oh, c'est rac. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire de toi. J'hésite. Franchement, j'hésite. Attends, y a moyen que le soleil se lève là? Ouais, c'est le dernier, on va le bourrer après. Oula. Ouais, j'ai fait un demi-tour, yo le bédard. J'ai fait un demi-tour sur moi-même. Ok. Là, c'est le big ship of the stockage of the moon. Ok, maintenant deux trucs. Le remplir de jus. Et le remplir de matières premières. Déjà, on va aller chercher. Tu sais que nos 1 an arrivent à grands pas. Oui, oui, mais tu sais. Alors, c'est là qu'il va falloir que je te. Je vais malheureusement te blesser, mais. Tu sais que tu n'es pas le seul à fêter tes 1 an. Fêter mes 1 an avec beaucoup de gens. Xerac. Tu n'es pas le seul, Xerac. Désolé de te l'apprendre. Vraiment. Est-ce qu'on prendrait pas une éolienne? Est-ce qu'on prendrait pas une batterie? Oh, on n'a pas de batterie. On s'en fout, on a une imprimante. Il nous faut de la résine. C'est quoi que j'ai pris de la résine là? Oh, je sais plus. Il te manque une batterie ou deux sur cette base pour faire temps pour la nuit. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de batterie du tout. Mais on n'a pas de lithium ici. C'est vrai que j'ai pas du tout fait de batterie. J'aurais pu. J'aurais pu faire de la batterie, ouais. L'autre, on l'a mieux faite pour ça, ouais. Clairement. Allez. Allez, toute cette résine-là va là-bas. On va se mettre aussi... C'est bon, le jus arrive. Il y a du lithium à côté de la première grue du véhicule. Ah oui! Putain, bien vu! Bien vu! Putain, il y en a qui suivent. Mais oui, en fait, j'en ai partout du lithium en plus. On va faire une batterie vite fait. Je dois avoir un slot en plus, non? J'ai un slot là, regarde. Putain, j'avais même pas vu, bien vu. Hein. Putain, les mecs. Les mecs ont l'œil. Voilà, une petite batterie là, comme ça. On la prendra en partant, bien sûr. On est des connards. On va remplir la... Non, on va... Alors, qu'est-ce qu'on prend, là? Ah, putain, il me manque un bordel. Bon, bah là, on va prendre deux composites. Il manque un bordel, j'avais pas vu. Plugins font des t-shirts et des goodies. C'est un très bon jeu, ça. Pour de vrai. No troll. J'réfléchis sur ce qu'il faut prendre. Putain, la batterie elle se fait sucer direct. Allez.
Oh putain, il me saoule. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut prendre pour pas qu'on ait à faire des allers-retours pour rien. Pour une première fois, je trouve vraiment kiffant. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Tu vois, il manque, on va dire, les classiques de ça. C'est-à-dire, bon, bah, du contenu, je pense. Parce que là, je pense qu'on arrive à la fin. Il nous reste pas grand-chose. Il manque de l'optimisation. Parce que là, tu vois, on est à 17 FPS, ça fait mal. Parce qu'on a fait trop de construction, en fait. On a de la construction sur 3 planètes, je pense que c'est trop pour lui. On a terraformé un peu beaucoup aussi. Je pense que c'est pas le kiff ultime pour lui. Mais franchement, il est vraiment à suivre de très près. De très très près. Yo Dr Pepper. Ok, attendez, je vais finir de remplir ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? On a de la résine. Pense à prendre l'alu pour faire une station d'échange. Alors ça c'est une putain de bonne idée. Ah mais j'ai rien pour... il faut que je fasse une station d'échange et... Une... c'est quoi pour faire une... un truc à machin là? Attends, déjà il faut qu'on gère l'énergie en fait. On va prendre du lithium pour faire des batteries. On va refaire une batterie ou là on pique la batterie. Est-ce que la batterie elle passe? Non, la batterie elle passera pas. On va échanger du lithium. Attends, je finis de remplir la fusée. Une fois qu'elle est pleine, on s'occupe de... des ressources. On va prendre du cuivre, on va prendre de l'alu. On va prendre de quoi faire une deuxième batterie. Je pense que la deuxième batterie là-bas va être nécessaire vu le temps pourrave de la planète. Voilà. Parce que là j'ai résine, niveau résine j'ai... Ah, je vais faire résine, alu, cuivre, compo, lithium. Le compo on en a trouvé donc je pense qu'on en retrouvera. Tu vois, j'ai bon espoir. Donc là il me manque juste deux résines. Alors, je vais prendre maintenant d'ailleurs. Deux résines. Avant qu'elle lui tombe. On est comment là? Voilà. Et là qui n'a pas eu mon tour. Pilou! Bonsoir Pilou! Comment vas-tu? Pilou, j'esquive pas, je vois pas. Pardon Pilou! Comment vas-tu Pilou? Tu peux créer des flots. Comme pour ta base sur le vaisseau, pour tester et décoller. Pas tester de décoller, mais avec. Mais c'est possible. Des... Oups. Oups. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Des quoi? Des quoi? Mais non, je t'esquive pas, Xerac, voyons. Xerac. T'esquive pas, Xerac. J'ai compris ton point de vue. Ok, le truc est plein. Le truc est plein. On va faire ressource par ressource. On va faire la lune. Ah ouais mais putain par contre on a sucé toute la batterie quoi. Attends mais attends j'ai de la ressource là. C'est quoi ça? C'est du cuivre. Ah nickel. Voilà, on va prendre le cuivre. T'as compris mon point de vue, on va avoir des enfants. Non, alors il va falloir que je t'explique la nature. Malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà. Psychologiquement, oui, mais biologiquement, ça va être un petit problème. Voilà. Par contre, c'est un peu chiant pour ranger. Hein. Ok. Cuivre, alu. Compo. Non, on aurait dû faire ça sur l'autre planète elle va plus vite quand même. Ah tu sais quoi, on va aller sur l'autre planète, attends elle est où? Ouais, on va changer de planète parce que celle-là elle met trop de temps, ça me gonfle.
Allez, cassos. Cassos, cassos, cassos. On remplira, on va sur l'autre. On va sur l'autre parce que. Voilà. Oh là le vaisseau. Oh putain, mais. Oh non, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber le. Le transporteur de. Le transporteur quoi. Ah bah tiens. En plus, bim, Tundra est juste là. Allez hop, ça c'est réglé ça. Ouais, mais quand on est un pilote de l'espace, un astronaute né, un ingénieur aéronautique, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, bien entendu? On sait exactement à quel moment il faut décoller pour pouvoir être en relation directe avec la planète qu'on vise. Ouais, mais ça c'est l'expérience, ça, c'est l'expérience, mesdames et messieurs. Regardez bien ça, hop, on apparaît. Alors on est pareil sur la mauvaise face, mais... J'ai pas eu la notif comme quoi qu'il va streamer. Il y en a d'autres aussi. Alors Vidol le mieux pour ça, hein. Pour ça qu'on a fait une petite que Quentin et Anteros Cédric ont fait une petite application, hein, pour éviter ce genre de désagrément. Avec l'application, tu te fais notifier par l'application. Et l'application elle gère. L'application, voilà. L'application elle ne se chie pas comme Twitch peut se chier de temps en temps. Organique. Poubelle organique. Organique, organique, organique. Oh le mec il a une poubelle volante. Tu vois, en plus on a du titane là. Vas-y, donne-moi 8 composites. Vas-y, contre du titane, vas-y, donne-moi les 8 composites. Et là, bim, pense à te faire un habitat à embarquer. Pourquoi? J'ai déjà l'habitat là-bas. Sur l'autre. Du coup, on va recharger la petite voilà, ce qu'on a consommé. Parce qu'on est comme ça. Regarde, en plus là j'ai du charbon. Qu'est-ce que c'est que ça? La mala, du titane, de la résine. Vas-y, on va faire le cube là. Elle est où ma. Mon après. Elle est où mon, ma fonderie là? Elle est là. Allez, excusez-le. Ok. Excusez-le, il s'est pas cliqué. Ah, cette planète là, deux batteries, elles sont largement gérées. Non mais voilà. Alors, est-ce que je peux faire le passe-plat? Ah, 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 il va falloir rentrer, ça va faire tout noir. Ta gueule! Il est où le dernier, avant de me prendre la caillasse, avant de me prendre une caillasse sur la gueule? Oh putain, les caillasses, attends. Elle monte! Ah. C'est bon. Bonsoir Lito. Comment vas-tu? Mets tes stockages sur les côtés de la fonderie, ça les remplira automatiquement. Encore un mec intelligent. Encore un mec plus intelligent. T'as déjà croisé de l'hématite fer? Non, jamais. Non, jamais. Mais j'ai jamais eu la composition, le besoin encore en composition. Non, moi, j'ai jamais eu besoin de proposition en fer en fait. Là j'en prends pas la gueule, il y a mes trucs qui sont en train de s'envoler, tout va bien. Tout va bien. Ou 14. Tout va bien. Regarde mon camion quoi. Mon camion il en prend plein la gueule. Ok. Ah ça a même pas rechargé la batterie quoi. Il y a eu un vent de tonnerre quoi et ça a même pas rechargé la batterie. C'est pas con ce que tu dis là, c'est vraiment pas con. Hein. Ouais, j'avoue le truc de remplir le machin par un. Ouais, c'est pas con. Mais le truc c'est que je vais pas en faire beaucoup. Tu vois, je vais juste faire ça. Oh là, ça va être tellement chiant. Alors, on va retrouver le bout de cuivre, le bout de... Ok, il me manque 2 cuivres. Il me manque full... full alu. Yo, Winnie. J'ai trouvé sur une planète aride. Après, je pouvais pas le faire fondre. Je pense qu'ils l'ont implanté, mais pas encore en fonction. Ah, ok, d'accord. Donc, tu vois, ouais, voilà. Donc, ce genre de truc,
On pourra les faire, on pourra se les découvrir quand il y aura la vraie intérêt. Je pense que voilà, on est vraiment au début de quelque chose. Pour moi, ça, c'est un peu présomptueux, mais ça sent un peu le Minecraft style. Voilà, le jeu qui va vachement évoluer. Qu'est-ce qu'on fait là? De l'alu. Le jeu qui va vachement évoluer au fur et à mesure du temps. Et voilà, il y a quand même une très très grosse. Ah ouais, mais tu vois, le truc c'est que. Vas-y, je vais faire ça. Il y a un très très gros potentiel, il y a un très très gros travail à faire aussi. Mais voilà, je vois bien ce jeu se mettre à ce niveau-là. Alors peut-être pas en termes de communauté, parce que je pense que c'est mort maintenant, mais en termes de possibilités, évolution. Ah bah putain. Ok, mais moi je sème les trucs, quoi. Ah oui, mais c'est le truc qu'on avait mis sur le câble. Tu vois, je me dis le système de fil. Parce que tu vois, t'as déjà le système de fil qui marche, qui transporte ton énergie, qui transporte ton oxygène, mais pourquoi est-ce que ça transporterait pas de l'énergie aussi plus tard avec des fils un peu spéciaux qui transportent vraiment l'énergie, qui te permettent de faire une base là et une autre base et de les interconnecter en énergie et qu'elles puissent se partager l'énergie toutes les deux, tu vois. Donc après, un peu le principe de la redstone sur... Il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Regarde sur ta planète, tu peux plug le vaisseau. Mais non, je peux pas le plug, il veut pas. Ah si, putain. No way. Ouais, direct, je prends celui-là, moi. No way. Ah non, mais attends. Au cul, là. Au cul, le truc, là. Au cul. Mais j'arrive pas à les... Il y a un truc qui veut se faire, mais il veut pas se faire, tu vois. Ouais, il a l'air de vouloir le faire, mais il veut pas. Ah putain, si, ça y est. Alors putain, si on part avec le camion. Alors direct, si on part avec le camion il part avec une éolienne. Hein. Et une batterie, hein, je préfère vous le dire. Le camion il part avec une batterie. Hein. Instant. Hein. Instant. Ou un genre de wifi où tu transfères l'énergie. Ouais, si tu veux en wifi. Si tu veux du wifi, on peut faire du wifi. Mais ouais, non mais voilà, je vois bien ce jeu. Je fais beaucoup là, non? Je fais un peu trop là. J'ai besoin que de 4 en fait. Non, 8. Mais il me manque. Attends, je sais même plus moi. 2. Donc 7. Donc 5. 10. Bah 7. 3 générateurs. Générateur, mais y'a rien. Faudrait que je prenne le charbon qui va avec. Non, mais je vais prendre la batterie. Ou alors je prends un... Non, je vais prendre l'éolienne. Je vais prendre l'éolienne, je pense. Je pense que je vais niquer l'éolienne. Il y aura plus d'énergie ici, par contre. Ah, plus beaucoup, du moins. Générateur, c'est un générateur à charbon. J'ai pas trouvé de charbon encore là-bas. Je suis pas sûr que le camion suive le décollage. Hein. Je vais mettre dans le bonhomme. Une batterie sur le vaisseau avec une éolienne sur la batterie. Une éolienne sur la batterie. Mais putain, mais j'ai mal compté ou quoi? Ah, j'ai un problème là aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Ah non, il est là. C'est bon, j'ai pas mal compté. J'ai eu peur. Tu mets pas un stockage sur ton camion. Et tu mets 2-3 éoliennes. Ah mais je vais pas mettre de stockage. Non, je vais mettre une batterie. Je vais prendre une des deux batteries et des éoliennes. C'est bon, ça suffira.
Mais je suis pas sûr que le camion vienne en fait. J'ai peur qu'au moment où on se bagatte, welcome to the family, bienvenue à toi, merci à toi, 14. Sois le bienvenu, installe-toi, fais-toi plaisir. Bon, les émotes, mesdames, messieurs, bon, les émotes. J'ai peur que quand on décolle, le camion se fasse. Tu vois? Genre, il fasse une tentative de suite, mais qu'il n'arrive pas à suivre. Pourquoi est-ce qu'il m'en manque un? Parce qu'il est là. Ok. Donc, allez, ça, on le remet sur le truc. Ok, on est quasi full. Il nous manque 2 cuivres. Il nous manque 2 cuivres. Il nous manque. On va y arriver, hein. À force. Il nous manque 2 cuivres. Il nous manque encore un petit peu de composite d'avance. Et on y va. Ah non, il nous manque 2 lithium. On va prendre 2 lithium et on va prendre 2 titane. Le titane, ça fait quoi déjà? Attends, ça fait quoi le titanium? En termes de craft. Composite. Neutral, on s'en fout. Non bon, on va prendre du lithium. On va prendre 4 lithium. Et on va blinder le sac de rallonge. Comme ça on sera bien. Et bah que le camion part pas avec un faussure. Je me doute qu'il part pas. Je pense pas qu'il parte. Je m'attends pas à ce qu'il parte. Je veux juste voir le décollage avec le camion au cul. Ok. Ok, on va faire les 2 machins. Putain, les FPS là c'est. On descend, on est à 16 maintenant. Je pense qu'il y a une saturation ou une fuite mémoire, un truc comme ça, mais là. Là on est dans le décès. Je sais pas où il s'est mis, mais. Ah, il s'est mis là. Ok, on va prendre. Hey, il nous manque un composite! Oh là, les FPS sont en train de décéder! Vas-y, on met ça, on s'en fout, le titane. Combien ça me donne ça? Ah, vas-y, 6 le temps que l'autre fasse du carbone. Il y a le Crocox. Je t'aime bien. Et la barbe avec ton bonnet? Ouais, je sais. Ouais, je sais, j'y parle. Ouais, je sais. Je sais, mais c'est juste la période, c'est pour ça, c'est Noël, tu vois. Quand on démarre, peut-être ça va t'aider. Non, chez Minix. Je pense que ça vient de la partie, en fait. On a trop de construction dans la partie. Au début, on avait des FPS. Maintenant, on en a plus. So, the blueprint is on the planet somewhere. Which one? Ah, yes. La question. La réponse est yes, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oh non! Ok. Oh là là. Oh, j'ai craché. Alors. Ça va être un petit peu le bordel. Le bordel. Attends, ça va être plus simple pour moi de l'avoir partir que là. Voilà. Voilà. La navette est full. Yes. Il nous faut du. Tiens, on va prendre le charbon. Ça, je vais récupérer quand même mon oxygène. Est-ce que tu peux m'avoir du lithium 2. Exactement ce qu'il me faut. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et c'est bon, et on peut partir. Ah non, on fait une session. Attends, je vais la faire avec. Je vais pas me faire chier, on va la faire avec du. Tiens, c'est ce qu'on va faire même, regarde. Tellement on est riche.
Bim. C'est un deuxième petit truc là. On va se mettre un... On va se mettre du charbon. Là. Et on va aller chercher avec ça. Attends. Ah. Il y a un titane qui traîne quelque part. Ah non, il n'y a pas de titane. Allez, oh, putain. Il galère le mec. Ok, j'ai plus de place hein. On est d'accord que je suis quasi full, il me reste une place ici. Ok. Donc ça veut dire que là, si je mets ça plus ça et que je demande de la, du composite, c'est fou. Voilà. Ah, donc là ça m'en fait combien dans le sac? Ça m'en fait 6 dans le sac. Ah non, j'ai les deux trucs. Ah ouais merde. Ah ouais, c'est un peu con. Tant pis. Tant pis. On prend la batterie. On prend l'éolienne. On prend la deuxième batterie. Vas-y, on prend tout. Vas-y, allez, on tente. On tente le coup de Trafalgar. Si le camion vient, c'est la teuf. S'il vient pas, bah tant pis. Il manque un composite sur la navette. Ouais, je vais le récupérer là. Regarde. Je vais récupérer les 4 dans mon sac. Hop, ok, je vais récupérer ma longe. Je vais mettre le navette, voilà, dans mon sac. Je fais rallonge. Rallonge, je vais les récupérer après. Rallonge. Filtre. Filtre. Et j'ai fait de la merde. Parce que je voulais pas faire ça. Merde. Je peux les mettre quelque part, mes rallonges. Non, alors le filtre à oxygène, je peux pas les mettre quelque part. Merde, je voulais garder un truc dans le slot en fait. Non, ça me fait 3 paires de rallonges. Ouais, c'est bon, on est large. Ok, c'est bon. Limite, générateur organique, je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Est-ce que le camion va venir avec nous? 3, 2, 1. Décollage. Non. Le camion ne vient pas avec nous. Non, 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 c'était sûr. Ortegus. Ok. Donc là, le décollage nous a consommé les 2 mini-réservoirs. Bon à savoir. Nous allons sur... Alors là, va falloir faire des... Alors là, va falloir faire des tours et des... Ah, quoique... Attends. Si on prend... Non, mais on va attendre que la rouge arrive. In the big spaceship, the last tech found in the game for now. Don't know. Don't know. Tu as encore une sur ta base d'échange. Quoi? Non mais c'est pas grave. Ah si, j'aurais pu la prendre. Ouais bon. Pas grave. Non mais là on va attendre parce qu'on si de toute façon. Ah putain oui, on est obligé d'attendre. Il peut faire des allers-retours pour amener tout le matos. Non, autant garder la base. Parce que la base Toundra elle est bien. La base Toundra elle est bien. Non. Autant garder la base Toundra. Elle peut être utile la base Toundra, on sait pas. On sait pas. Attendez, on va voir là déjà. On va déjà voir ce que ça nous fait. Parce que là techniquement on peut refaire une batterie, on peut refaire une éolienne. On peut. Voilà. Niveau énergie, on peut se mettre. On peut se mettre à l'abri du besoin. Maintenant, j'ai envie de faire un rover en fait. J'aimerais bien faire un rover pour trouver des techs. On va voir s'il y a des techs en surface. Je sais pas s'il y a des techs en surface sur la ride. Ah putain, faut qu'on tape un tour de la planète.
Je sais pas s'il y a de la tech en surface. Ça consomme pas de carburant quand tu attends dans l'espace, non. Non bah non, regarde, le moteur il est éteint. C'est en orbite. L'update de Subnautica, ouais, je pense qu'on se la fera en 2017, c'est bien. C'est bien Nox, 2017. 2017 c'est classe. Est-ce que c'est bon? The Witcher. Yo Emrich, yo Liam le fou. Ok, est-ce que le vaisseau passe? Pff, mais easy. Regarde ça. Il s'est même fait une place de rêve. Attends, vite fait, tant que je suis dedans. Ah non, mais y'a rien, c'est la merde. C'est la merde. Cette base là, c'est la merde. Ok, alors ce qu'on va faire. Bon. Par contre, hé, regarde ça. On arrive comme papa dans maman. Hé, pourquoi il y a une place là? Putain, je me suis fait niquer. Passe. So. Non, c'est de la merde. Attendez, excusez-le, il a voulu faire un escalier, mais il s'est complètement chié dessus. Ah, c'est cet angle-là que je veux. Voilà. Ok, bon. Il n'y arrive pas. Laisse tomber. Putain, il m'a refait un trou, quoi. Alors, attendez, on va refaire ça. Voilà, hop. Hop. Tu sais quoi, on va faire une passerelle là. Voilà. Voilà, qui emmène au vaisseau complet. Voilà, sans aucune panique. Ok, et là Putain, mais j'ai pas d'angle là, c'est ça qui est chiant en fait. Ah, c'est cet angle là qu'il me faut, tu vois. C'est même un petit chouille trop fort. Celui-là, voir. Voilà. Alors, on a encore terraformé un peu trop loin, mais... Là, faudrait pouvoir régler le bordel. Hein, j'ai pas compris. On va pouvoir régler le rayon du bordel. Non, parce que là j'ai foutu de la merde. Là j'ai clairement foutu la merde. J'ai perdu mon... Bon, ok. Y a moyen d'avoir de la lumière ici. Merci. Allez hop, c'est bon. Tu vas faire une session multi? Ouais. Je pense qu'on fera en 2017 là. Les gens étaient pas super dispo vu que c'est quand même les fêtes et tout ça. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, mais clairement en 2017, j'aimerais vraiment qu'on fasse une session multi de ce jeu parce que je pense qu'il y a moyen de se poiler pas mal. Alors, pareil, on attendra juste qu'il y ait un peu plus de contenu, bien sûr. Ah bah si, elle est sur moi, tu vois, elle est là, elle est venue là, elle est venue là, elle est venue là. Donc c'est bon, je l'avais en fait. Hop. Alors, nous sommes arrivés ici. Grâce à notre... Alors nous allons, avec la résine, créer la zone dite de la thermonucléisation de la planète, avec du lag. Alors, il nous en faut 1, 2, 3, 4. Voilà. Bonjour, Inter... Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, c'est là. Oh. Je pense pas que ce soit le bon moment pour faire ça, mais...
Ok, on va se... On va se planquer là. On va se planquer là, vous inquiétez pas, on est professionnel. 2017, le mot de Kavak ce soir. Bah oui, en même temps, oui. C'est très proche. Très proche. Dodgeball. On se fait un dodgeball, les gars. Allez. Ah putain, attends, mais ça enchaîne. Oh là, faut que je rentre. Putain, faut que je rentre. Mais... Putain. Mais... Non. Je peux pas crever là. C'est pas possible. Je peux pas crever là. Dépêche-toi, ça arrive. Oh putain, chier, putain. Putain. Oh, elle est relou, quoi. Bon, bah, attends. Ouais, voilà. Il faut que je rentre, quoi. Ok, bon, on va faire la batterie. On va faire la deuxième batterie, du coup. Vu qu'ils ont pas trop voulu qu'on fasse le bordel. Donc, on va faire ça. Et on va mettre ça à la place. En attendant. Le temps de faire la deuxième batterie. Voilà. On n'aura jamais le temps de trouver une nouvelle technologie. Je pense qu'on va être obligé de refaire une session à un moment donné. Non, pas là. Là. Ok. Ensuite, on récupère ça. On essaye de voir un peu le temps dehors. La tempête est terminée. Ok, go. Go. Non mais il y a une nouvelle tempête. Ah non mais cette planète elle est insupportable. Non c'est bon, c'était la fin. Ah c'est bon, c'était la fin. Eh putain. Insupportable la planète, insupportable. Hein. Ouais, je prends le risque. J'ai pas que ça à foutre, moi. Ah, mais y'en a qui bossent, hein. Paraît pas, mais... Oh, oh. Au péril de sa vie. Au péril de sa vie. Oh putain, y'en a deux. Oh, y'en a deux. Oh, pom. Ah, t'as pas le droit. Ok. On va faire de l'éolien. Oh, attends. Oh, j'ai cliqué au bon moment. Ok, hop, et voilà, comment rentrer dans sa, dans sa base. L'éolien. Ah, c'est l'aluminium qu'il me faut. Bah écoute. 3, 2 secondes, juste 2 secondes. 1, 2, 3, 4. C'est pas de l'éolien ça, c'est pas de l'aluminium ça. Hein? Hein, c'est du cuivre ça. Hein? Hein? Hein, tu te fous de ma gueule? Je foutrais pas un peu de ma gueule par hasard. Retourne là-haut. Du coup c'est celui-là qu'il faut. Et bien. Ça va mal finir cette histoire, je pense. J'ai plus de place. Prends-toi ça et fais pas chier. Sur le vaisseau. Ok, on fait de l'éolien et je pense que là on aura énergie quasi limitée. Éolien. Voilà. Yo Jexo, pardon. Hop. De toute façon, faut que j'aille étape par étape, donc autant y aller direct.
je slalom déjà. Je pré-shoot le slalomage. Ok, elle marchait dans ma main, mais là elle marche plus. Oh, allez, tu. Putain, cul, il passe pas. Oh! J'avais pas fait un. Attends, je vais faire un passage secret hein, à un moment donné, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, on est dehors! Merde, mon passage secret! Hein? Attends, je suis où là? Ah bah si, voilà, j'avais fait un passage secret! J'avais plus. Ah, nickel. Ok, donc. La deuxième est prête. Fais gaffe, VIH, ils sont de sortie. T'inquiète pas, je sors couvert. Je sors couvert, ne t'inquiète pas. Écoute, tu en fais du steep. Ah, bientôt, Steve. Oh putain, mais tu vois, il y a encore. Non, mais l'éolien, par contre, se fout de ma gueule. Hein. Ok, là, il marche pas. Là. Oh la salope. Oh la salope. Elle marche pas. Ah mais là aussi j'avais fait un passage secret, regarde. Hop. 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 Mais voilà, c'était ça mon passage secret de passage secret. Hop. 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 Oh non. Oh non. Oh merde. Alors là, attendez, il y a un problème parce que là il y a trop de passages secrets du coup. Du coup ça a niqué le système, donc il a dû rentrer par là, on va boucher. Ah, heureusement que le VIH a une durée de vie limitée. Il me faut de la... Il me faut de la... La machin quoi. J'espère que ce jeu va continuer à se développer, pas comme Cube World. Bah déjà il est pas tout seul le mec. Non puis Cube World... Il n'y a pas eu grand chose dès le départ, même dès le départ, il n'y avait pas grand chose. Ok, on va essayer de... Oh la vache, putain, la vache. Sans déconner, hein. Oh putain. Aïe. Oh, je m'en suis pris, putain, ça y est, j'ai chopé le tétanos. Ok, bon, je pense que niveau énergétique, on est pas mal. On a deux batteries. Oh putain. On est pas mal. Niveau énergétique, on est pas mal. Ok, maintenant, il faudrait qu'on se fasse le... il faudrait qu'on se fasse le truc à véhicule. Et que j'aimerais faire un rover pour aller en surface. Et... Enfin, aller en surface et en... Dans d'autres cavernes. Mais pas avoir à creuser comme la nôtre, là. Ma gueule lui hein. Donc j'ai fait un de plus. Ah mais il me faut deux machins. Il me faut deux comme ça. Tu l'as pas posé. Merde, mon éolienne est mal mise, t'es sérieux? J'ai tellement paniqué que je l'ai mal posé. Possible. Hop, j'en prends deux. Non, elle est bien posée. Ah non, je l'ai mal posée, t'as raison. Juste parce qu'elle tourne que... Non. Mais quelle grosse bite! Mais quelle grosse bite! Bon bah voilà, bah c'est niqué, ok, super. Je suis super content. Tu sais quoi, on va prendre l'éolienne. Enfin, je vais m'en prendre une là. Oh, c'est pas passé loin là. On va enlever ça. Voilà, c'est ça qui gêne, le vent. Tiens, vas-y, je fais un gros trou, comme ça si les machins tombent. Oh putain. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour faire le bordel à 2 FPS là? Imprimante. Plateforme de machin. Il me faut 2 aluminium. Ok. Ah. Avec la vulgarité, oh, on s'en fout hein. À un moment donné. Oh putain.
Attends, ça je vais le reboucher, ça sent le piège à con et le piège à moi. Donc à con. Attendez les bits. Xirac. Merci pour les bits, Xirac. Les fake cross bits. Oh putain. Oh Xirac. Xirac, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça, Xirac. Ah mais attends, on a niqué tout l'aluminium ou je l'ai mis à l'intérieur? On a pas niqué tout l'aluminium. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour faire le rover? Ah, il a pas de jus, putain. Allez, dépêche-toi avant que je m'en prenne une là. Attends, je vais me mettre là le temps qu'il se régène. Regarde, ça nous fait une petite caverne de protection protégée. Pas du tout. Je te l'estime pas trop. Non, ça va. Ça va. Composite. 4 composites. Composite, je sais pas ce qu'il faut d'autre après. C'est la planète tempête, c'est la planète relou, ouais. C'est la planète la plus relou du monde, hein. Oh là là, ça n'allait pas passer loin. Allez, pêche-toi, pêche-toi. Ok, il n'y a pas beaucoup de place sur le machin. Ah ouais, il n'y a pas de place du tout même. Ah ouais, j'avais pas estimé ça comme ça. 2 composites need, ok. Whoop là. Ok, 2 composites. On va tout niquer. On va tout niquer. Ok, et deux, il faut que je garde la place arrière, il me faut juste une petite... Il me faut une petite éolienne. Elle est où notre petite éolienne? Elle est où notre girouette? Oh non, me dis pas qu'on a fait ce que je pense qu'on a fait. Je pense qu'on l'a fait. Hein? On l'a laissé, hein. Alors, on l'a laissé. Bon, on va se prendre un aluminium, on va se la faire vite fait. Voilà. Allez go. On part comme ça, comme des rois, comme des princes. Ouais, vas-y, on part comme des princes. Ok. J'ai bien fait ce que je pensais que j'avais fait, mais que j'étais pas sûr de l'avoir fait, mais je l'ai fait. Allez go. N'approchons pas de ces trucs, ça pète. C'est qu'on a toujours pas fait le truc de recherche au fait. C'est pas grave, on le fera quand on aura une recherche. Attends, parce que là il faut que je trouve les trucs qui donnent des machins à recherche. Xirac, attends, excuse-moi Xirac. Excuse-moi Xirac, mais là, priorité, je voudrais éviter de me prendre un virus du tétanos dans la gueule. Tu vois ce que je veux te dire? Là, y'a tout, y'a rien. Welcome, welcome, welcome to the family. Bienvenue à toi, merci, j'ai entendu, je prends une médecine, puis le pays, j'ai entendu, bref. Merci à toi. Bienvenue, installe-toi, fais-toi plaisir, ovation. Oh là 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 là.
Ah 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 ah. Comme ça, c'est des vieux trucs qu'on connaît déjà. Ah, je sais pas. Vas-y, Xerac, t'écoute. Qu'est-ce qu'il dit, le Xerac? Oh, la planète et Titan qui pousse comme ça, quoi. Ah, j'ai une entrée là, quelque chose. Vas-y, on va essayer cette entrée là. Ça s'appelle donc de Xerac. Ah merde, j'ai pas vu. Je vais re-regarder. Attends, deux secondes. Hop. Il est pas mort le machin? Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il a dit, Xerac? Again. Du coup, on n'avait pas terminé notre conversation, tu fais quoi ce week-end? Putain. rien. Rien d'intéressant, t'inquiète pas. Putain, le mec. Oh là là. Putain, ça sent le... Ça sent le truc tout pourrave, ça, encore. Ah bah si tu fais rien, je viens, on trouvera une occupation. Ouais, viens, je suis pas là. mais viens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Viens, hein, pas de problème, mais je suis pas là. Volcano? Ok, un volcano qui reste en lévitation. Welcome to the family, qui l'a fou, bienvenue à toi, il est bien, dans le chat, merci d'utiliser ton truc, ma bise. Merci à toi, Kinapou, bienvenue. Bon HD mode, mesdames, messieurs. Bon HD mode pour les nouveaux félis, s'il vous plaît. Adopte un Xerac. Ah ouais, par contre, si vous voulez adopter un Xerac, il y en a un qui est libre. Il est pas méchant. Il y a du carbu. Ça, c'est rien. Je cherche la map est procédurale. Aucune. Non. Si. Non. Je sais pas. Du Royal. Yo Nicotine, merci Nicotine pour 200 bits. Tu vas lui briser le cœur, ce pauvre Xerac. Mais non, mais il le sait, Xerac. Il le sait que c'est. Que c'est. Perdu d'avance. Il n'y a même pas de questions à se poser. Ça sent le drame là. Ça sent le décès au beau milieu de nulle part, quoi. Non mais je suis pas libre. Bon, il s'accroche, hein, mais vous inquiétez pas, il va comprendre au bout d'un moment. Mais il s'accroche, mais... Et voilà. Ah, c'est Xerac. Mais Xerac... Tu le sais. Tu le sais, Xerac. Oh là 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 là. Ah, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas une ressource. Attends, j'ai vu un truc. Alors là, on peut tenter quelque chose. On est un peu sur un angle un peu dégueulasse là, par contre. Y'a moyen d'avoir un angle un peu plus soft. Genre celui-là, c'est bien. Non, c'est trop. Un angle plus soft, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu me changes l'angle au bout d'un moment? Moi, oh, je valide. Oh, je valide. Je valide ça. Ça va nous faire une descente. Ça va même pas nous descendre tellement ça va. Oh putain, ça... Là l'opération pue du cul, mais un truc
Je sens pas. Je sens pas. Mais on va le faire, hein. Mais je le sens pas. Je sens le décès. Je sens le décès qui s'approche avec une terraformation hasardeuse. Et voilà. Mais putain, la glissade. Ah, la glissade, quoi. Attends, hop là. Esquive de son bordel à lui. Ah, il est pas mort, lui. Lui, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Ah, il est mort. Hein? Non, c'est vert, non, mais. Alors attends, faudrait que j'arrive à me faire ma descente quand même. Non mais je pense que c'est la mort. Je pense que c'est la mort de l'artiste là. Ah, j'ai plus de... Putain, je les récupère pas en fait, les rallonges. Je pensais que je les récupérais mais je les récupère pas. Plus sérieusement, je peux t'offrir ton cadeau de Noël ou pas? Non, je veux pas de photo, Xark, de toi nu dans une position on ne peut plus indécente avec une pizza entre les fesses. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de place pour mettre des cas de photos chez moi. Ah. Non, c'était une créature de l'enfer. Non, mais je pense que là, cette planète est complètement... Alors, d'une, elle est aride. Et de deux, elle est complètement inhospitalière. Ah. Combien j'en ai sur moi là? 3. 5. Si je récupère celle-là. Ah putain, je les récupère pas, hein, les salopes. Ah, je les récupère pas, putain, faut que j'arrête de faire ça en fait. Bon, je pense que je suis Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai toutes les découvertes? La question est là en fait. Est-ce que j'ai toutes les découvertes? Faut que tu ressors de l'autre côté si tu creuses au fond. Sur extension, mise en place des vers de sable sur les planètes arides. Info pas sûre. Ouais, je suis pas sûr. Xerac! Oh, Xerac! C'est pas une photo. Je n'ai pas de pizza entre les fesses, quoique. Mais tiens, tu le mérites. Merci à toi, Xerac. Mais j'aime bien les photos aussi. Hein. Je déconne. Hein. Merci, Xerac. Merci beaucoup. Merci, Xerac. On peut balancer des gros GG à Xerac, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Xerac. Parce que Xerac, c'est pas 5000 bits que t'as lâché, là. On le sait tous. On le sait tous. Il est shérif? Et t'es shérif ou pas? J'espère que t'es shérif quand même, parce que... Tu mérites la shérifitude. Xerac le pire. Xerac le pire. Mais grave, Xerac le pire. Bien entendu que c'est Xerac le pire. Alors, deux questions. La grue, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que la grue? Et de deux, est-ce qu'on passe à travers? Je pense. Je suis shérif. Ah, voilà. New shérif in town. Mais j'aurai pas de ressources pour pouvoir vous le montrer, je pense. Parce que j'aurais pas les... J'aurais pas les machins. C'est un bug de chez toi. Moi je les récup. De quoi tu... Ah ouais? Ah bah j'ai un bug là. Ouais, j'ai un bug. Moi je les récupère pas. Ah, comment on fait? On fait comme ça, avec comme ça. Putain.
Salope. Ladies and gentlemen, on va faire un dernier truc. On va aller se poser sur la planète irradiée pour voir ce que ça fait. Et on va s'arrêter là parce que je voudrais me reposer un peu. Histoire d'être en forme pour cette fin de semaine. Je voudrais juste voir la planète irradiée. Je pense qu'on a fait. Je pense qu'il nous manque que. Alors la grue. Je sais pas ce que c'est que la grue, mais il nous manque la grue. Où est la planète irradiée? Oh là là! Ah oh, la salope. On va la rattraper vite. La grue, alors la grue, qu'est-ce que c'est? Déjà. Les devs vont faire un parachute pour Kamak. J'espère, je vais leur demander. Je pense que je vais leur envoyer un tweet en leur demandant please. Add de parachute. Voilà. Il y a le forêt, Kamak. C'est pas le forêt. Il y a un forêt. Oh, il manque tellement de trucs en fait. On n'a pas tout. On n'a pas tout. Il est déjà minuit. Il est déjà minuit. Et le truc, c'est que j'aimerais ne. Enfin, je voudrais. Enfin, voilà, je veux pas refaire. Je pense qu'on va pas refaire avant. Avant 2017. C'est la phrase. C'est le mot du jour. Non, je pense que je vais le laisser mûrir un peu encore. Je voudrais juste voir la planète irradiée. Voir ce que ça fait. Voir un peu les conditions. Mais j'aimerais le laisser mûrir un peu. Je vais beaucoup suivre ce jeu, ça c'est sûr. Rover perdu. Ouais, vite fait. Vite fait, il est perdu. Vite fait. J'aimerais laisser le jeu mieux. Merci à toi, Bossert. Merci de ton soutien pour ces 20 mois. Sois le bienvenu. Installe-toi, fais-toi plaisir. Ovation, mesdames, messieurs, bourrage des mottes. La totale. La totale. Regarde. Hop. Une caverne directe. On y va comme ça avec la réserve d'oxygène. Le plastron, le fusil, machin. Et déjà, il y a du charbon direct. Non, de l'autre côté. Ouais, on va mourir comme ça, on s'en fout. Ok, je connais. Ah non, on va peut-être pas mourir. Hop. On l'a déjà. Putain, je sais pas où est-ce que c'est. Je sais pas où c'est ce truc qui manque, mais il y a un truc qui manque, c'est dur. Un aller sur la lune. Ah, c'est peut-être sur la lune. Il te faut le slot en haut à gauche libre. Ah, ok. On peut aller voir sur la lune. La lune. Putain, on voit rien du tout, attends. Alors, il faut que j'arrive à rattraper la planète terrestre et que j'ai la lune dans le bon sens. La lune est remplie de recherches. La lune, c'est peut-être sur la lune. Le truc zébré que t'as perdu sur la planète Toundra au début, je pense que c'est un bug, ça. Apparemment, c'est un bug, c'est un truc bugué. Les trucs à rechercher. Les vases de vaisseau sont des jokers. Ah, ok. Est-ce que je peux aller sur la lune là? Oh la salope, elle est du mauvais côté. Bon, attends, je vais là. Oh, j'ai assez de carburant. Le truc est plein. Oh putain, qu'est-ce que c'est. Mais non! Mais non! T'es sérieux là? Ah ouais. Hop, Lunas, désertique. Oh. Alors déjà, est-ce qu'il y a une atmosphère sur la lune? Ah, déjà, il y a une atmosphère sur la lune. Déjà, on est dans la merde, donc en même temps, il y aura du vent. J'ai complètement perdu la lune.
Je suis en train de laguer en plus. Ah bah d'accord, ok, il y a 3 spots quoi. Vas-y, on se met là, on s'en fout. Pour la grue, c'est sur la planète de départ. C'est une montagne rouge où tu vas la trouver. C'est pas forcément, c'est pas forcé 20-20. Je pense que tu peux trouver tout partout en fait. Ah ouais, je connais pas ça. Oh, oh merde. Bah, tu sais quoi, je suis capable de faire un aller. Attends, si je connais ça. Mais si on connaît ça, c'est de la merde, putain. Oh, elle est stylée la lune. J'aime bien le... Oh, mais c'est stylé, il y a une apesanteur de ouf. Pas beaucoup. Tu m'as compris. Oh, wow, 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 wow. Il y a quelque chose à tout. Pas d'énergie. Il y a quelque chose à tout, moi. Putain, tu voles sur la lune quoi. Attends, il y a de l'énergie là-bas. On va mourir sur la lune. On va mourir sur la lune, mais on s'en fout. On s'en fout, Lucidrou, c'est ton anniversaire, j'ai l'anniversaire de Lucidrou. Récupération de l'énergie. Ah, je vais suffoquer. Je vais suffoquer, Gravity. Sur la lune, je suis quasiment pas là. Sur la lune, je suis quasiment pas là, Gravity. Oh, la blague de Gravity, elle passe, elle est valide. Elle est valide, on va mourir sur une. On va mourir de suffocation sur une montagne de la lune. Putain, la lune, il y a du style. Il y a du style, les Dijon Gentleman. Il y a du style grave. Il y a du style grave. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous allons nous quitter sur cette magnifique... ce magnifique décès, bien entendu. Merci à tous d'avoir suivi donc ce dernier live sur Astronir. On en refera énormément, je pense, en 2017. On se retrouve demain soir, j'espère, avec toute la team pour du DCIT et peut-être un autre dans le même style, histoire de se mettre sur la gueule une dernière fois avant la fin de l'année. Bonne soirée à tous. Merci au Pizzer, merci Gérard, merci à la modération, merci au Feli, au Rifeli, merci à vous tous. À demain, 21h, ici même pour la suite de la fin de 2016. Je me souviens de ce rebelle que t'as voulu taser. Mais t'étais à pas le réel, putain, il a dégusté. Et cet apache aura des champs de blé. Mais t'as pas vu le poteau arriver. C'est parallélisme, je peux le prouver. Et cet ocra qui était sur la route. Ah bah, on en a rien à foutre. Le fail c'est valable dans la vraie vie. Voici un exemple bien précis. T'es un mec, tu viens te réveiller. Et t'oublies de t'asseoir pour aller pisser.